Bonjour, c'est Yves Calvi. C'était ce matin sur RTL. C'est la rentrée, mais il restait un cadeau dans la hotte du Père Noël de RTL et on l'a gardé pour vous ce matin. Angelina Jolie, invitée exceptionnelle de Laissez-vous tenter à 9h. Impossible évidemment de ne pas parler de la France, ce pays qu'elle et Brad Pitt ont choisi pour se marier l'été dernier. It's a very beautiful country. C'est un pays magnifique, les gens sont souvent très intellectuels et intelligents et j'espère que mes enfants aussi seront influencés par la France. Yves Calvi, RTL Matin. À demain, 7h, 9h30. Sur RTL. Les grosses têtes avec Laurent Ruquier de 16h à 18h sur RTL. Bonjour et bonne année, heureux de vous retrouver avec, pour commencer aujourd'hui, une grosse tête qui a eu la fève hier, d'ailleurs elle est restée dans sa bouche, Isabelle Mergaux. Une grosse tête qui, comme bonne résolution 2015, a décidé d'arrêter de boire et de fumer quand il dort, Jean-Jacques Perroni. Bonjour. Une grosse tête qui a dit un jour, il paraît que l'inventeur de la cédille est un certain Grosson, Philippe Gueluc. Bonjour. Une grosse tête qui réclame un deuil national de 5 jours depuis qu'il a appris la disparition de Framboisier des Musclés. C'est vrai. Christophe Beaugrand. Bonjour, je suis en deuil. Une grosse tête à qui vous pouvez souhaiter une bonne année, mais il est capable de vous répondre qu'est-ce que ça peut te foutre, connard, Pierre Bénichoux. Et enfin, une grosse tête qui pourrait reprendre le célèbre sketch de Fernand Reynaud, « Ne me parle pas de Grenoble », Titoff. Ah oui. Est-ce que vous avez compris pourquoi, Isabelle, « Ne me parle pas de Grenoble » ? Ah oui, parce qu'il y a un match. Oui, il y a eu. Et je pense qu'il a dû perdre. Exactement, voilà. Marseille a été éliminé par Grenoble. Vous connaissiez ce sketch de Fernand Reynaud ? On l'a l'extrait d'ailleurs. Je suis match là. La pu, ne me parle pas de Grenoble. Hein. Que des sportifs, que des prétentieux. C'était peut-être 5h du matin. J'avais flambé au poker toute la nuit. Et j'attendais Zézette. Zézette, elle est gentille, tu vois. Ça fait 15 ans qu'elle travaille pour moi. Mais elle n'a pas la beauté de la première danseuse de l'opéra, tu vois. Comme je lui dis, t'as intérêt à travailler la nuit. Ne me parle pas de Grenoble. Eh oui, ne me parle pas de Grenoble, Titoff. Ouais, ouais, ben voilà, arrêtons de parler de Grenoble. Oublions Grenoble et ce sketch de Fernand Reynaud pour un mot sur Framboisier, puisqu'il est décédé. Mais oui, c'est une très de vos triste. Idoles, Beaugrand. Exactement. Ben déjà que dans les musclés, Papy René était mort il y a quelques années. Il a rejoint Patachou. Mais non, il n'est pas mort, Patachou. En tout cas, Patachou, c'est une contre-pétrie, Patachou. Ah oui. Chatapou. Non, en tout cas, elle est bien vivante, Patachou. Je crois pas qu'elle soit décédée. Non, pas peut pas dire qu'elle est. Croyez-moi sur ce genre de choses. Vous pouvez me faire confiance. Ah, maintenant, il fait gaffe. Hein. Qu'est-ce qu'il chantait alors, Framboisier ? C'est la fête au village. Les parents, les enfants ont avalé leur potage. Et y avait la merguez, là. La chanson préférée de Pierre, la merguez partie. Ah oui ? Oui, oui, j'aime beaucoup. Oui. C'est la merguez. Merguez partie. Tant qu'il y a de la braise. C'est pas fini, allez taper dans les mains. Sors de ton lit. C'est bien cette chanson, Framboisier, là. Ah, mais oui, Patrick Sébastien a l'air distingué à côté. Allez, il est temps de passer à la première citation 2015. Une citation pour Nathalie Olani qui habite les Deux Alpes. Ah. C'est dans l'Isère. Qui a dit « Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme intelligente y renonce. » C'est pas une femme. Si, c'est une femme. Ah, c'est une femme. Est-ce que c'est une femme soumise ? Oh non, 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 non. Une féministe. Simone Veil, non. Est-ce qu'elle est française ? Oui, française. Françoise Giroud, non. Mais non. Ah, mais non, mais Colette. C'était Colette. Ah, wow. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme intelligente y renonce. Ouais. Comment vous avez trouvé Colette, Pierre ? Parce que c'est un peu con. Et en même temps, je me suis dit, c'est bien de l'époque, début du siècle, ou déjà, enfin, j'ai trouvé. Et voilà. Ah, ça, c'est un joli résumé. Laurent.
Le beau Pedro Radio Tango, il nous revient avec une forme pour 2015. Ah ouais, 2015, c'est son année. Hein. Qu'est-ce que vous avez fait pendant les fêtes de fin d'année pour être dans cet état, Pierre Bénichou? J'étais avec Colette. Ah ouais, ouais. Pas la même, pas l'écrivain. Hein. Non, non. La non, pute. Mais justement, vous êtes d'accord avec ça, Isabelle Mergo, une femme qui se croit intelligente réclame les mêmes droits que l'homme. Une femme intelligente, elle, y renonce. Ben non, évidemment, je ne suis pas d'accord. Nous avons droit aux mêmes droits. Enfin, je ne parle pas des droits, je parle des droits les mêmes, pour le même travail, le même salaire. Ah, bah, vous êtes pour les femmes qui travaillent pas de pisser debout, par exemple. Hein. C'est pas ça, on s'en fout un petit peu, quoi. Oh, c'est pas mal de pisser debout. Moi, j'essaye depuis quelques jours. Bah, c'est formidable. Mais c'est fantastique. Mais oui, je me suis même fait faire sur mes rampes une sorte de petite ouverture. appelle ça la blaguette, tu m'as dit. La blaguette? Non, la braguette. À votre avis, pourquoi j'ai choisi Colette comme première auteure et première citation aujourd'hui? C'est parce qu'on nous rappelle dans la presse, ce matin, dans Le Parisien, que la maison de Colette doit être sauvée à Saint-Sauveur, en Puisaye, c'est dans l'Yonne. Elle a été rachetée par une association qui a besoin d'argent pour reconstruire, rénover, rénover, ils ne vont pas la transformer totalement, autrement ça ne sert à rien de la racheter. Ils appellent Valérie Damido et puis voilà, ils refont la déco. Mais déjà, il y a quelques années, c'était Sauvé Willy, qui était le mari de Colette. Et là, c'est Sauvé Colette. Oh, quelle culture. Enfin, ils ont titré Collecte pour Colette. Oh. Vous seriez prêt à donner, Pierre? Donner, non. Mais non. Prêter, montrer que j'ai l'argent. Non, mais je veux dire, c'est un de mes des écrivains préférés. Et en plus, elle a eu une vie formidable. Ah oui. C'est la première. Elle a été quand même vedette de Folies Bergères. Alors que c'était un grand écrivain. Elle montrait son cul partout. Elle avait des amours saphiques. Elle a eu deux maris qui étaient des gigolos. Un qui s'appelait Willy et qui a écrit des livres à sa place. Willy et Colette, toutes les Claudines. Et après ça, elle a eu un mari qui s'appelait Gousquet. Voilà. Gousquette. Ah oui? Et on l'avait surnommé Gousquet-quette. Ah, c'est pas vrai. Oui. J'aime bien la littérature revue par Pierre Bénichou. Oui. C'est pas revue, c'est raconté. Il manque 300 000 euros en attendant, Pierre Bénichou. Ah, 300 000, ça fait 200 bâtons, c'est trop. C'est pour faire un musée ou c'est juste pour rénover la maison? Pour faire un musée, évidemment. Oui. Mais c'est faire un musée comme il y a eu la maison de Jean Cocteau. Qui a été refaite, il y a eu des tas de maisons qui sont refaites, mais c'est normal. C'est un jour, bien. Peut-être votre maison à vous, Pierre Bénichou. Oui, mais non, lui, il est en location. Non, mais c'est vrai, c'est très bien. Vous n'êtes toujours pas propriétaire, Pierre? Non, je ne possède rien, moi. C'est pas vrai. Il faut se dépêcher, là, Pierre. fais une concession. Je possède l'amour de mon public, moi, ça me suffit. Non, non, mais. N'oublie jamais. Entre Colette et vous, je sais pas lequel des deux était le plus pute. Hein. et puis, n'oublie jamais, Pierre, que la mort de ton public, tu l'as envisagé. Et toi, tu l'as même pas envisagé. Non, mais c'est vrai, enfin. Vous moquez pas de Pierre. Non. Il est pas je n'ai rien, je ne possède rien. Pourquoi? Parce que... Je n'avais rien. Oh, ça y est, c'est reparti. Et je t'ai tout donné. Oh merde. Oh. Donnez. Donnez, donnez-moi. Donnez, Dieu vous le rendra. Je suis le mendiant de l'amour. Il y avait les musclés, maintenant il y a les fripés. Hein. Non, mais c'est pas la même. Une question pour monsieur Olivier Delviche qui habite Fernelmont, c'est en Belgique. Delviche Toulnel, bien sûr. Oui, vous connaissez cette région de Belgique. Redites-moi, j'ai retenu le nom de la personne. Fernelmont. En Belgique. Oui. Fernelmont, oui. Vous connaissez toute la Belgique alors, Philippe, évidemment. Oh oui, pas. C'est son pays en même temps. C'est pas loin en même temps. Vous savez que rien n'est loin en Belgique. Vous traversez du nord au sud en une heure. C'est pas et d'est en ouest en deux heures. Bah, si vous connaissez bien la France aussi, pour répondre à cette question pour M. Delviche, qui n'est donc pas tourneur, mais qui habite Fernelmont et qui espère un chèque de 300 euros, c'est le mois du blanc en janvier. Ah, mais, oui. Ah oui. Êtes-vous capable de me rappeler le nom de l'inventeur du mois du blanc? Marcel Muscadet. Non. Pierre. C'est monsieur Boussac. Ah non, Boussac, non, pas du tout. C'est pas quoi c'est... Ah oui, oui. Ah, mon vestiaire, Eric. Ah, je sais. C'est pas Jean-Marc. C'est Éric Zemmour. Éric Zemmour, le mois du blanc. Le mois du blanc. Je pensais Jean-Marie Le Pen, mais c'est vrai que. Non plus, non. Le mois du blanc, n'est-ce pas? Non. Mais c'est quoi le mois du blanc? Ah bah alors expliquez, Isabelle, ce que c'est que le mois du blanc. Oh, bah, alors voilà, alors il y a du linge, faut que j'explique. Bah, c'est une ménagère, vas-y. Colette, même pas, il m'a regardé. mais même pas. Si, quand il a dit pute, il m'a regardé.
Et là, le mois du blanc, d'un seul coup, la spécialiste, évidemment, je fais ça toute la journée que de changer les draps et tout. Il faut bien les changer de temps en temps. C'est des réductions sur les draps, les nappes, tout ce qui est... Les serviettes. Alors, très exactement, Laurent, le blanc, c'est parce que, en général, la literie, les nappes, les tissus sont brodés de couleurs, de petites choses qui agrémentent ces jolies choses. C'est l'occasion de renouveler ses couettes, voilà. Si Sheila nous entend. Mais pas du tout pour ça. Toute la bonneterie s'appelle le blanc. Mais qui a inventé le mois du blanc? Il n'avait pas tort, Pierre, ce ne serait pas un grand gars de la filature, des trucs... Vous voulez dire Sherlock Holmes Oui, elle est bien, celle-là aussi. Dans le genre Boussac Oui, dans le genre Boussac. Dans le genre Boussac, je comprends, mais je pense que dans votre tête, vous faites une confusion entre deux noms, cher Pierre Benichou. Bah, ça ressemble à Boussac. Oui. Les frères Veuillot. Les frères qui? Veuillot, les quatre frères, là. John Veuillot, Jack Veuillot, Avrel Veuillot et William Veuillot. C'était pas... le patron de la Redoute à Roubaix. Tais-toi, Avrel. C'est pas le prix Cognac? Non, pas du tout. C'est le patron d'une grande agence de pub. Non, mais il est très très connu. Colgate? Non, même... Clémenceau? Non, même moi je le connaissais, franchement. C'était pas les frères... Non, c'était pas les frères Bessac. Les frères qui? Bessac. C'est qui ceux-là encore? Ses amis qui ont une boutique à Marseille. C'est du placement de produits, là, qui font du linge. Je crois que c'est Bleustein Blanchet. Mais non, non plus. C'est des frères. Ah, mais j'étais persuadé que la réponse à cette question fuserait. Et que, c'est voilà. Zola. Ah, c'est Zola. Émile Zola. Non, mais je vois pourquoi vous pensez à Zola. Ah, oui. Et on Zola. Au bonheur des dames. Et on se rapproche. Balzac. Non. C'est le patron d'un grand magasin. Oui. C'était le patron du grand magasin qui a brûlé dans le coin, là-bas. Non, la Samaritaine, non. Mais non, pas la Samaritaine. C'est des galeries d'Afrique. Le Bon Marché. Le Bon Marché. Oui. Voilà. Bon, alors son nom, Édouard Leclerc. Mais non. Vous connaissez pas le nom du. Alors là, je suis surpris. Le prix, il a laissé un prix qui est un prix pour les familles nombreuses. Pétain. Non, pas Pétain. Non, mais je sais pas. Il n'avait pas d'enfant, Pétain. Alors, j'ai vu tout un reportage. Philippe n'avait pas d'enfant. Mais si, il avait des enfants. On dit toujours enfant de Pétain. Non, écoutez, cet homme a inventé le mois du blanc, il a inventé l'entrée libre, l'affichage des prix, l'échange et la reprise des marchandises. Mais on donne encore son nom régulièrement aujourd'hui. Mais si, moi je le connaissais, son nom. Il était patron du Bon Marché, alors attends. Aïe. Non, mais Pierre, tu devrais savoir le patron du Bon Marché. Moi j'ai vu tout un reportage sur lui, c'était passionnant. Mais... Créateur du Bon Marché, c'est sa veuve, Marguerite, qui ensuite a dirigé l'entreprise. Monsieur Yourcenar. Mais non. Mais Laurent, donnez-nous, je sais pas, un indice, vous donnez son prénom et son nom de famille. Et ah mais non, si je vous donne son prénom, c'est trop facile, mais c'est un prénom qui va bien avec son nom, on connaît bien les deux ensemble. Alors ça ressemblait au nom qu'a donné... Félix Potin. Mais non, pas Félix. C'est pas Charles, Charles. Mais non. Ça ressemblait au nom qu'a donné Pierre au début, mais bien sûr. Alors c'est quoi le nom qu'a donné au début, Boussac. Pierre? Il a pas un catalogue à son nom? Trois Suisses. C'est même lui. C'est même lui qui a fait construire l'hôtel Lutetia pour accueillir les riches clients du Bon Marché. Pour accueillir les clients de province. Il s'appelle Sèvres Babylone. Oh mon Dieu. Et il s'appelle Aristide Boussicot. Mais oui. Aristide Boussicot. Et alors on en entend parler parce qu'il a fait comme il était très riche. Ah non, bah vous n'avez pas la ramener. Non mais pourquoi Boussicot est-il connu comme nom? Allez-y. Il est connu parce qu'il y a l'hôpital Boussicot. Et bien alors, puisque tu le savais, pourquoi tu l'as pas dit? Pour pas t'humilier. Et c'est vrai qu'il a un prénom qui va très bien avec son nom, Aristide Boussicot. Aristide Boussicot. Voilà, je vous aurais dit Aristide, vous auriez trouvé Boussicot. Ah non, brillant, on aurait dit. Mais pourquoi ça va avec son nom? Ça, c'est Par exemple, Aristide... Mohamed Boussicot, ça va moins bien. Ah ouais. Dis donc, c'est gentil. C'est vrai, non, mais il a raison. Péroni est d'accord avec moi, Aristide. Je vous aurais dit Aristide, vous auriez dit... Brillant, comme lui, là-bas. Non, personne n'aurait dit Boussicot. Bah, tu m'aurais dit Mohamed, je t'aurais dit Bourricot. Eh ben, il est bien parti cette année 2015. Ouais, c'est en tout cas 300 euros perdus par RTL et gagnés par Monsieur Delviche en Belgique, à Fénelmont, chez Philippe Gagné. Encore de l'argent français qui se retrouve en Belgique. RTL. Une question. Top chrono. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Martine et bonne année à vous. Merci, bonjour, bonne année à vous aussi.
Qu'est-ce qu'on... Grosses têtes, bonjour. Bonjour Martine. Et bonne année Martine. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Qu'est-ce que vous espérez pour un nouvel épisode de Martine. Ouais. Martine au téléphone, c'est bien. Alors, ça. Alors c'est Martine est malade. Ah merde, qu'est-ce que vous avez Martine? Non mais pas grand-chose, hein. Vous savez, c'est des petits virus, rien du tout. Hein. Ah bah oui. Ah on dit ça. Voilà. Une fois amputé, ça se voit plus. Faites quoi Martine dans la vie vous? Alors moi je suis chauffeur accompagnatrice, je transporte des malvoyants. Ah oui. D'ailleurs c'est je leur souhaite un petit bonjour au petit loulou parce qu'on vous écoute tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ça c'est cool ça. Vous n'êtes pas non-voyante vous-même? Non, non, non. Ça va. Alors si c'est comme ça, il faudrait qu'on se voit. Vous venez à Paris vous voir. Elle n'est pas aveugle Pierre, c'est ses clients. Tu l'aimes ton Pierrot ou pas? Oui bien sûr Pedro. Vous savez avec qui les canards aveugles font l'amour? Non. Avec une canne blanche. Oh non, écoutez, franchement. Je vais vous interroger, chère Martine, pour tenter de vous envoyer à la neige. Une semaine à Risoul 1850, une des grandes stations des Alpes du Sud, dans le domaine de la Forêt Blanche. 185 km de piste, on les a recalculés. Vous logerez dans un bel appartement au pied des pistes, forfait pour 4 personnes, offert par RTL et risoul.com. Ah, bien sûr. Êtes-vous prête, Madame Méa? Oui, mais c'est vrai. Oui, c'est son nom, Madame Méa, qu'est-ce que je vous dis? Bah, c'est pas facile. Oui. Martine Méa. Attention. Il faut pas croire qu'elle a le cul pas. Hein. C'est pas facile à porter quand même. Il y a un monsieur Méa, j'imagine, Martine. Bien sûr, oui, il y a un monsieur Méa, oui. C'est lui qui vous a donné son... C'est la coule douce? Ah oui, voilà, oui, ça fait. Son difficile patronyme, c'est ça. Il est urologue. En tout cas, il a fait son trou. Bon. On a peut-être pas épuisé le sujet là, hein. On va chercher. Ce qui serait terrible, c'est s'appeler Méa et t'as un trou du cul. Voilà. C'est dit. Je suis désolé, Martine. Hein. Ouais, ouais. Ne les écoutez pas. C'est de votre faute. J'arrête pas de leur dire faites attention à ce que vous dites à nos auditeurs et tout. Mais ils veulent pas m'entendre. Tu sais comment ils sont. Hein. Ah ouais, tu ferais des plaisanteries comme ça sur mon mari, tiens, tu verrais. Attention, voici la question, chère Martine, qui va peut-être donc vous emmener à Risoul. Risoul, grande station qui vous attend avec un bel appartement, je vous l'ai dit. Hier, le journal du dimanche a publié, vous savez, le fameux classement, la fameuse liste des personnalités préférées des Français, avec toujours Jean-Jacques Goldman en tête. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Jean-Jacques Goldman, on parlait du père préféré des Français. Noah et l'abbé Pierre. Non, Noah, il a baissé. Ah bon? Et comment il s'appelait le collabo, là, le... Cousteau. Cousteau, là. Il y a Mimi Mathy aussi. On lui a fait une petite faveur, là. Mais la photo de Cousteau et Mimi Mathy a jamais été bien cadrée. Non, mais Cousteau n'y est plus. Il y a longtemps, et l'abbé Pierre non plus. Les premiers, c'est Goldman, Omar Sy et Jean Dujardin, les trois premiers. Bon. Le 50e, c'est une entrée, c'est la première fois qu'il est dans le classement. C'est l'entrepreneur, le patron. Le grand patron de Free, oui. Voilà, je ne sais pas pourquoi il est là. D'ailleurs, Xavier Niel. Oui, c'est curieux. Certainement parce qu'on a proposé son nom. Mais justement, ma question porte sur les nouveaux qui sont dans le classement, ceux qui n'y étaient pas avant et qui viennent d'entrer. Xavier Niel, par exemple, Ségolène Royal a fait son entrée. Oui, je suis rentrée, j'étais sortie, je suis revenue. 49e. C'est normal, la France m'adore. Elle est juste derrière François Hollande, 48e. Oui, pour une fois. D'habitude, c'était l'inverse. Vincent Lindon est entré lui aussi dans le classement, 46e. Ça fait 12 ans qu'il n'a pas fait de film, dis donc. Florent Manaudou est rentré 44e. Oui. Laurent Delahousse est rentré 34e. Ah bah c'est normal, c'est la semaine du blanc. C'est la semaine du blanc, oui, c'est ce que j'allais dire. Delahousse de couette, évidemment. Mais, qui est donc celui qui est entré directement à la 25e place dans le classement? C'est la première fois qu'il est dans le classement du JDD, des personnalités préférées des Français. 25e, c'est formidable pour une première fois. C'est un homme. Écoutez, ma famille était très fière. J'ai peut-être donné un avis. C'est un homme, oui. M. Pokora? M. Pokora, bonne réponse. Bravo. Eh oui. Ça ne m'étonne pas. Je veux m'installer en Belgique. Pas pour cacher mon argent, mais parce qu'un pays qui fait entrer M. Pokora, et qui pour la 8e fois met Jean-Jacques Goldman, ils auraient pu mettre d'autres gens, je ne sais pas moi. Par exemple,
Laurent Ruquier en premier. Ah, bah oui, Laurent Ruquier, il aurait été pas mal. J'y étais déjà, mais je suis sorti du classement il y a je ne sais pas combien de temps d'ailleurs. Mais bon, cette année, je crois. Non, mais Xavier Niel est beaucoup plus populaire que toi. Non, mais écoutez, bah oui, Xavier Niel est très populaire. Mais tout le monde le connaît. C'est des machins truqués, ça, mais de oui, toute façon. Enfin, quand j'y étais, je disais que c'était tout à fait normal. Non, mais je remarque, il y a quand même très peu de femmes. Hein. Ah si, il y a quand même des femmes. Oui, mais enfin, il n'y a pas des mâles. Il y a Jani encore ou pas? Simone Veil, Sophie Marceau, Mimi Mati, Florence Foresti, oui, il y a quand même quelques femmes dans les 10 premières places en plus. Il y a Robin, Muriel Robin. Elle y était avant. Je ne la vois pas, Muriel. Il y a Tchani ou pas? Trévéleur, elle y est. Il y a Vanessa Paradis, Josiane Balasco, Mylène Farmer, qui sont toujours. Oh, Mylène y est toujours. Non, je ne vois pas Tchani, je ne vois pas Muriel Robin non plus d'ailleurs, c'est vrai. Et Krieg Veller. Qui ça? Trévéleur. Krieg Veller, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse dans le classement personnel? Pourquoi? Moi, je voterai pour elle. Bah, elle a beaucoup vendu, elle a fait plaisir aux Français, elle a tartiné Pignouf, et puis alors. Non, mais enfin, ne parlez pas comme ça de mon ancien époux, il a beaucoup souffert à cause de Trévéleur. Il y a Evelyne Delia, tiens, parmi les femmes. Non, je l'adore. Mais non, c'est une potiche, c'est pas une femme. Mais elle est formidable, Evelyne Delia. Oh, attention, hein. Tu l'as vu tu peux dire ce que tu veux sur De Gaulle, sur les Rouleaux, sur Mitterrand, sur Simone Veil, ça. Mais sur Evelyne Delia, tu fermes ta gueule. Tu l'as vu présenter la météo avec ses genoux, qu'on dirait des ossos buccaux. Oh, c'est affreux. Des ossos buccaux. Mais qu'il est méchant, elle est belle comme tout, Evelyne Delia. J'adore Evelyne Delia. Elle est déréglée, toi, c'est tout. Écoutez, en tout cas, M. Pokora, c'est peut-être justement parce qu'il a chanté Goldman qu'il est rentré directement à la 25e place du classement. Mais qui reste entre eux. À nos actes manqués. Des vrais soleils, tous les chemins qui me sont passés à côté, à tous mes bateaux manqués, mes mauvais sommeils, à tout ce que je n'ai pas été, aux malentendus, aux mensonges, à nos silences, à tous ces moments que j'avais cru partager, aux phrases qu'on dit trop vite et sans qu'on les pense. Celle que je n'ai pas osé. À nos actes manqués. Su briser tout ce que j'ai pas vu tout près, juste à côté, ce que j'aurais mieux fait d'ignorer. Au monde assez de l'heure qui ne me touche plus, notre solo que je n'ai pas inventé, tous ces mots que d'autres ont fait rimer qui me tuent, comme autant d'enfants jamais portés. Trop aimé, visage et dentelle croisés, juste frôlés. Trahison que j'ai pas vraiment regretté, ou vivant qu'il aurait fallu tuer. Tout ce qui nous arrive enfin, mais trop tard. Tous les masques qu'il aura fallu porter, à nos faiblesses, à nos oublis, nos désespoirs. Vos peurs impossibles à échanger. Exactement.
que se passe-t-il encore? Pierre Bernichou. Pierre Bernichou. C'est pas mal. Bernichou. Qu'est-ce qu'il a, monsieur Buquier? C'est mignon, Bernichou. Pierre Bernichou râle encore contre le premier rang, monsieur Bernichou. Mais oui, que se passe-t-il? Je vois pas pourquoi, chère madame, vous avez un sac en plastique jaune. Mais est-ce que ça te regarde? C'est pas un sac en plastique. Non, mais non, c'est alors, pas un sac en plastique. Tout ce qui est par terre, vous l'enlevez, vous mettez sur vos sous. Mais elle peut pas. C'est un anus artificiel. Et voilà, ça sera coupé ou je démissionne. Voilà. Ne me tentez pas. Non, Pierre, c'est vrai que vous êtes là à draguer. Il y a une dame, une jeune femme même en plus, peut-être même pas majeure, avec des c'est le prince Andrew qui l'a dit. Arrête, tu l'excites. C'est le prince Andrew qui l'a envoyé au premier rang. Eh bien, cette jeune femme est gênée par les déclarations que vous lui faites pendant la publicité, Pierre. Oui. Mais pourquoi vous n'avez, pendant la publicité, vous ne devriez pas entendre ce que je dis? Non, on est là, on voit bien ce qui se passe. Et puis la jeune femme a été envoyée par ses parents, voilà, ici. Ouais. C'est... Et puis alors, c'est pour nos auditeurs. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que je n'y suis pas indifférent. Non, mais je suis pendant la publicité, vous l'auriez entendu, il disait à cette pauvre jeune femme, tu l'aimes, hein, ton gros Pierrot et tout ça. Je n'ai pas dit mon gros Pierrot. Ton beau Pedro. Ton Pierrot, je dis. Non, mais c'est vrai, vous êtes installée ici, mademoiselle, peut-être. Mademoiselle, oui, c'est une demoiselle. Ouais. Et bien, vous êtes installée ici pour voir Pierre Bénichoux de plus près? Absolument, elle dit absolument. Vous êtes pas déçu? Oui, mais non. Ça vous fait quel effet? Ravi? Et sexuellement aussi? On verra après, elle a dit on verra après. Enfin, moi, je dis toujours plus d'infinité. Faites attention, je connais ces techniques. Des fois, il parle en premier à une fille pour draguer celle d'à côté. Hein. Ah, c'est la dame blonde, en fait, avec les bas noirs. Non, c'est le monsieur moustachu derrière. Ah, c'est vrai que c'est peut-être une nouvelle année pour Pierre Bénichoux. Ah mais oui, tout a changé. Hein. Eh oui, Pierre. Vous avez vu, même dans Le Bonheur et dans le Pré de notre amie Karine Le Marchand, hein, qui reviendra évidemment cette semaine aux Grosses Têtes, mais c'est la première ce soir de L'Amour et dans le Pré. Il y a maintenant un agriculteur homosexuel. Ah, c'est pas la première fois. Mais jusqu'où ils iront, la connerie, la connerie mondiale, quoi. Mais quoi, on va mettre un homosexuel agriculteur. Mais pourquoi? C'est normal pour la bourrée. Je suis sûr qu'il y aura des détracteurs. Oh, joli. Non, enfin, écoutez, je vois pas pourquoi les agriculteurs auraient pas le droit de trouver l'amour. Non, mais je peux te dire personnellement, je savais même pas qu'il y avait des hétéros chez les agriculteurs. Non, mais c'est déjà difficile pour un agriculteur en campagne de trouver une femme. Alors imagine pour un agriculteur gay. Sois gentil, creuse ton sillon. Non, c'est odieux de dire ça, j'avoue. Et les homosexuels ont tous les droits. Et même souvent sont plus... Il y a intérêt. Et souvent, je le dis, sont plus virils. Oui, et ils ont beaucoup de goût. Ils ont beaucoup de goût aussi pour la décoration, souvent. C'est ça que tu veux dire. Ah bah ça, ils ont et pour la coiffure, idiot. Ouais. Hein, malgré tout ça, je trouve que c'est une course à la mode ridicule de dire, tiens, qu'est-ce qu'on va mettre là? On met des Noirs? On a déjà mis un. Des Juifs? Bon, il n'y en a pas, l'agriculteur juif. Si, en Israël. Qu'est-ce qu'on va mettre? Si on mettait un PED. Mais il n'y a pas de raison. C'est tout à fait ça. L'envers du décor, oui. Ce qui va être compliqué pour les humoristes de bas étage dans ton genre, Pierre, c'est d'imiter. Parce que le paysan, d'accord, tu le fais comme ça. Une fois qu'il est homosexuel, comment est-ce que tu rajoutes? Je reprendrais bien une bonne pelletée, moi, aujourd'hui. Tiens. Oui, mais une bonne pelletée, mais ça reste un type hétéro de base. Alors, attention, parce que dès qu'il devient un petit peu féminin, là, il attrape un accent plus noir. On aurait dit un antillais, là. Mais bien sûr, moi, je peux arriver à te le faire, mon Lucien. Viens, je vais te mettre dans la berouette. Écoutez, j'ai honte, hein. Isabelle. Beaugrand, dites que vous avez honte. J'ai pas trop honte, en fait, ça me fait rire. Non, ça me fait un peu rire. Non, mais le truc, Bertrand c'est... Delanoë, réagissez. Eh bien, moi, je trouve que c'est formidable que les homosexuels aient aussi droit à la campagne. Parce que les Parisiennes et les Parisiens adorent les gros tracteurs. Ils adoreraient faire pouet-pouet sur le tracteur. Donc, pourquoi pas? Et puis, un tracteur rose, ce sera magnifique dans les champs, voilà. Faut pas mettre la charrue avant les nœuds, quand même. Non, mais tu sais que ça fait des années que la production a des candidatures, mais que c'était
c'est la chaîne qui ne voulait pas, parce que la chaîne avait peur que ça, ça effraie la ménagère. Mais oui, Karine Le Marchand nous racontera tout, et de toute façon, ce soir, la 10e saison déjà de L'Amour est dans le Pré. Mais c'est elle qui l'a fait pendant 10 saisons. Non, 6 saisons, elle, Karine. Il y a eu d'autres animatrices avant Karine Le Marchand, mais elle, c'est sa 6e saison à Karine Le Marchand, qui nous rejoindra évidemment cette semaine. Qu'est-ce qu'il y a, Pierre ? Qu'est-ce qu'il y a ? Elle pourrait vous trouver quelqu'un, Karine, si vous lui demandez. Ah oui, une agricultrice. Elle, moi, je veux lui trouver, moi. Ah oui ? Elle est bien. Elle est formidable, vous la connaissez, Karine Le Marchand ? Je suis très brune, vous voyez ce que je veux dire? Elle est absolument sublime, elle est faite autour. Et quand elle se lève, tu dis, c'est con, il n'y a 15 cm de trop. Ah ben dis donc, c'est ce qui te manque. Alors une question. Je dis bravo, là. On n'aurait pas eu une relation ensemble, je dirais, ça fait rien, mais là, j'ai l'impression... Une question, je peux quand même poser des questions. Mais posez-la. Une question pour Monsieur Prunera, qui habite Lyon. Prunera. En avril 98, les premières ont été distribuées en Bretagne, avant tout le reste de la France. Qu'est-ce qu'on a distribué pour la première fois... Des parapluies ?En 98, en Bretagne. Des parapluies gratuits ? Non. Des fraises ? Les préservatifs ? Non plus. Des huîtres ? Non. C'est un produit saisonnier. Avril 98. Non, c'est pas saisonnier du tout. Ça se mange, non. On l'a distribué donc gratuitement. Les gens avaient ça. On l'a distribué gratuitement. En Bretagne. Est-ce que ça s'enfile ? Comment ça ? Non, mais je veux dire, est-ce qu'on rentre dedans ? Non, pas dedans. Et on va beaucoup en parler cette semaine et même particulièrement à partir de demain. Ça s'inocule ? Oh, écoutez. Oh, bah voilà. Bah non, mais, genre, c'est un vaccin, ça s'infère ? Non, ça, c'est une machine à coudre. C'est pas vrai. Ça s'inocule, ça veut dire sodomiser en chinois. En avril 98, on les a distribués pour la première fois en Bretagne. On a commencé par la Bretagne. Les euros, les premiers euros. Non. C'est pas médical. C'est médical. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Avec ça, tu parles pas comme ça, mon patron, toi. Espèce de traînée. Ne sifflez pas, Pierre, dans sa bouche, c'est un compliment, vous savez. Non, mais... Alors, Pierre, qui peut rire de ça, vraiment ? Alors, c'est un truc contre les maladies de le foie. Pour pas vraiment... C'est pour ça que tu parles de la Bretagne ? Je voudrais bien vous répondre oui, Isabelle, mais non. Des semelles anti-odeurs dans les chaussures. Non, c'est un médicament. Pourquoi on aurait distribué aux Bretons des semelles anti-odeurs avant c'est curieux. Parce que les Bretons puent des pieds. Ils ont des chapeaux ronds. Ils ont peut-être des chapeaux ronds, mais ils ont des pieds qui puent. On a tous les Bretons qui nous écoutent. Je suis sûr qu'il y en a dans la salle. Il y a toujours des Bretons. J'adore les Bretons. Un médicament préventif. Cherchez pas, vous, franchement. Est-ce que c'est plutôt pour les personnes âgées ? C'est pour eux. Non, pour tout le monde. C'est des alcotestes ? Non. Attends, je peux pas chercher ? Si, vous pouvez chercher. Ce que vous pouvez pas, c'est trouver. Eh ben, j'ai dit un médicament déjà. Ce n'est pas un médicament. Bah, enfin, vous avez dit que c'est pour soigner ? J'ai pas dit que c'était pour soigner. C'est jamais médical. On m'a demandé si c'était médical. J'ai répondu oui. Bandage hernière. Je n'ai pas pour autant dit. Les cartes vitales. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Eh oui. J'y arrivais petit à petit avec mon cheminement perso. Les premières cartes vitales ont été distribuées en 98. Déjà, en Bretagne. Comme le temps passe. Et aujourd'hui, pourquoi va-t-on en parler ? Dites-le nous, monsieur Ruquier. Parce qu'il y a demain une grève à nouveau des généralistes qui menacent de faire grève de la carte vitale. Oui. C'est-à-dire de revenir au papier et d'engorger les services de l'assurance maladie. Et voilà. Et bien sur ce mot, Pierre Bénichoux, je vous propose une petite pause publicitaire car je sens que vous avez à nouveau besoin de parler à la dame du premier rang. Question pour Kevin Plaisir qui habite Saint-Georges-les-Baillargeaux, c'est dans la Vienne. Les Baillargeaux. Qu'est-ce qui vous prend, Péroni ? Ça fait nom de groupe de baloches de campagne. Et voilà les Baillargeaux. Ça fait penser aux musclés. Surtout avec Kevin Plaisir comme leader. C'est un joli prénom. Monsieur M. Plaisir, quand ils ont eu un enfant et qu'ils l'ont appelé Kevin, franchement, fallait le faire. Moi, je m'appellerais Plaisir, moi, je dirais Kiki venu, je l'aurais appelé mon fils.
Ah, je vois que l'année 2015 démarre bien. Monsieur, madame, plaisir, mon fils, comment s'appelle-t-il? Kiki Vodu. Non, mais c'est pas possible. C'est peut-être son deuxième prénom à Kevin, Kiki Vodu. C'est pas facile à porter, Kiki Vodu, quand même. Une question culturelle. Ah, bon, t'as raison, ouais. Vendredi, grâce au journal Le Figaro, on nous rappelait qu'il était certes enterré à Lausanne, en Suisse, mais que son cœur était inhumé dans un autre pays. De qui s'agit-il ? Charlie Chaplin. Charlie Chaplin, non. Il lui a enlevé son cœur avant ou après ? Vous êtes tombé dans le piège, parce qu'effectivement, on parle beaucoup du kidnapping, de l'enlèvement du corps de Charlie Chaplin à l'occasion de la sortie du film La Rançon de la Gloire. Mais non, 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 ça n'a rien à voir avec Chaplin. Il ne s'agit pas de Chaplin. C'est ni Rousseau ni Voltaire. Ce n'est pas Rousseau, ce n'est pas Voltaire. C'était un roi. Un roi, non. Écrivain. Un écrivain, non. Calvin. Calvin, non plus. Calvin mauvais, on disait à l'époque. Est-ce que c'est un homme politique ? Homme politique, non, on peut considérer. Luther. Non plus. C'est pas Luther Claude, King. Hein. Non, c'est pas un type qui a fait don de son cœur. Parce que là, ce serait normal, je veux dire. Comme les opérés du professeur Barnard. Je t'ai donné mon cœur, tu tiens en toi tout mon bonheur. Ah, ton baiser frondeur. Il n'est pas prêt de dépasser M. Pokora dans le classement du JDD. Hein. Et c'est difficile pour nous de faire des phrases en évitant les mots qui sont des titres de chansons. Oui. Il faut réfléchir très vite pour ça. C'est un artiste quand même. Alors ce n'est pas un artiste, mais c'est vrai que c'est un choix. Un médium. Pourquoi un médium ? Je sais pas, je sais. Elle a vu le mentaliste hier soir à la télé. J'ai le droit, quoi. Cette personne est. Décédée ? Est décédée ou pas ? Ah oui. Ils lui ont enlevé son cœur et ils l'ont mis ailleurs. C'est ça, lui il est enterré à Lausanne, au cimetière du Bois des Vaux, si vous voulez savoir. Et son cœur est inhumé dans un autre pays. Mais je vous dis pas dans quel autre. Mais quand vous dites son cœur, non. Quand vous dites son cœur, c'est pas les premiers petits chanteurs à la croix de bois qui sont morts depuis longtemps et qu'on aurait enterré. Non, c'est un Suisse célèbre. C'est une femme. C'était pas un pape par hasard. Ce n'est pas un pape. Non. Parce que son cœur appartenait à l'autre patrie, c'est ça. Non. Genre. Je ne peux pas vous dire quel autre. Moi, mon cœur va to my daddy. My heart belongs to daddy. Je peux te dire une chose. J'ai l'impression d'être branché sur trois radios en même temps. C'est normal. Deux bonnes et la tienne. Alors, c'est un personnage de légende, Laurent. Non, c'est un personnage qui a bien vécu. Est-ce qu'il est connu pour être suisse, ce monsieur ? Ah, il n'est pas connu. Guillaume Tell ? Non. Mais en général, quand on prend le cœur de quelqu'un et qu'on le garde, c'est des personnes. Qu'on aime, importantes. Des rois, des papes. Ah non, là, c'est quelqu'un dont on s'est dit ce serait bien que son cœur soit inhumé dans cet endroit-là, même si lui, le reste du corps, est enterré à Lausanne. Pourquoi ? Au musée du cholestérol ou un truc comme ça ? Est-ce que c'est un scientifique ? Ce n'est pas un scientifique. Un artiste. Ah, j'étais persuadé que ça aussi, vous le sauriez. Le cœur est inhumé à Saint-Denis ? Non, pas du tout. C'est un grand artiste. On n'a toujours pas trouvé ce qu'il faisait. Dans un pays étranger. C'est un Français, d'ailleurs, pour tout vous dire au départ. Un militaire ! Il est né à Paris. Son cœur est enterré dans un autre pays que la Suisse et que la France, mais le reste du corps est enterré à Lausanne. Parce qu'il avait son cœur est enterré ailleurs qu'à Paris et en Suisse. Il est né à Paris. Donc, corps est en Suisse et son cœur est encore ailleurs. Voilà. Son cœur est à Londres, par exemple. Non, pas. Est-ce que son cœur est en Europe ? En Europe, oui. Et c'est en 1937 qu'il est mort. Un militaire ? Il s'est effondré, victime d'une crise cardiaque. Il marchait plus de toute façon. À Genève, d'ailleurs. Et c'est pour ça que son corps est enterré à Lausanne, au cimetière du Bois de Vaux. Il s'était réfugié en Suisse depuis quelques années. Enfin, réfugié. Il avait décidé de vivre en Suisse. Fiscal. Quel bordel. Si on veut déposer des fleurs, il faut faire comment alors ? Ah ouais. Ah mais écoutez, franchement, on en parle régulièrement. Vous connaissez très bien son nom. C'est un Français, peut-être un des plus illustres Français. Alain Delon. Bon, alors Delon. Il est enterré en Suisse. Non. Mais non. Non, c'est son pognon qui est enterré là-bas. Est-ce qu'il a donné son nom à des rues, des artères ? Ah oui, mais c'est à cause de son cœur. C'est ça. Non, mais c'est le nom le plus illustre au monde. De Gaulle.
Gaulle. C'est peut-être le français. Non, pas De Gaulle. Ah, bah, Napoléon. Attendez, le plus illustre au monde. Pasteur. Oui, Pasteur. Non, Toutankhamon. En 37. Il reste 30 secondes. Donc c'est un des Français les plus connus au monde. Toutankhamon n'est pas né à Paris. Maurice Chevalier. Mais non, enfin écoutez, si vous trouviez le pays où on a mis son cœur. L'Italie. Peut-être ça vous aiderait. L'Espagne. Hitler. L'Espagne. Quoi? Hitler. Oui, un grand Français. Il est pas né à Paris. Célèbre. Un très grand Français, Hitler. Qui est mort d'une crise cardiaque à Genève. Et il y a souvent des rues Hitler. En 37. En 37 en plus. Oui, en 37, il n'avait pas fait. Bonne nouvelle, les gars. Hitler est mort en 37. Des millions de morts épargnés. Est-ce qu'on a mis son cœur en Espagne? On n'a pas mis son cœur en Espagne. En Angleterre? Non plus. Au pôle Nord, parce que ça gèle là-bas. On a pu le conserver dans de bonnes conditions. En Allemagne. Au Vatican. Deuxième chèque de 300 euros en Grèce qu'on va envoyer à monsieur Kevin Plaisir, qu'il a bien mérité. Ouais, ouais, c'est vrai. Monsieur Plaisir, faire. Il s'agissait de Pierre de Coubertin. Le cœur de Pierre de Coubertin. Le français le plus connu, Pierre de Coubertin. Bah quand même, dites donc, à chaque Olympiade, on reparle de Pierre de Coubertin. Son cœur, selon son vœu, est scellé dans une stèle de marbre blanc à Olympie. Grèce, donc. C'est en Grèce qu'on peut trouver le cœur de Pierre de Coubertin, le reste de son corps est enterré à Lausanne, au cimetière du Bois des Vaux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Mais oui, tout ce que tandis vous que me dise, eh ben, oui, c'est pas le cœur de Lini, le petit cœur de Linon. Les parents enterrés. Oh ta gueule! Il n'y a même plus de paroles là maintenant. Il n'y a même plus de paroles. Attendez, on voudrait savoir ce que c'est que cette chanson, Pierre Bénichou. Il n'y a plus de paroles. C'est pas le tout de commencer. Le cœur de Lini. Ah, le petit corps de Ninon. Mais c'est une opérette très connue. Ah oui, Mais oui, vous avez. Vous rendez l'impression que. Mais alors, les paroles auront été enterrées en Grèce et le reste est en Suisse. Hein. Franchement, Pierre. De moment que ta petite Claire, elle aime ça, le reste, on s'en fout, chérie. Un petit bonheur avec des vieilles chansons, hein? Oh là là. Avec un vieux monsieur. Non mais quand même. Mais c'est pas le français le plus célèbre au monde. J'ai quand pas même. Dit le plus célèbre. J'ai dit un des plus illustres. Non. Si c'est pas un des plus illustres. C'est pas un des plus illustres. Non mais c'est un nom connu. Oui, c'est Laurent, vrai. Vous avez dit, et si on repasse la bande, on pourra se rendre compte que c'était le nom le plus connu c'est du monde. C'est vrai, c'est vrai. Moi, il y a Victor Hugo, mais là, à ce stade, non. Qui a relancé les Jeux Olympiques? Qui a relancé? Oui, mais alors. Mais alors, quand même. Quand il faut dire de quoi il s'agit dans l'activité d'un homme, c'est qu'il n'est pas très célèbre. Tu dis Victor Hugo, tu dis pas l'écrivain Victor Hugo. Absolument. Pasteur, tu dis pas le savant Pasteur. Oui. L'homme absolument. Qui a relancé les Jeux Olympiques. Pierre de Coubertin, ça y est, c'est fini, il n'est pas connu. C'est surtout la phrase qu'on te sort quand t'es petit, quand tu perds une compétition, on te dit non, l'important c'est de participer. C'est une phrase qui n'est pas de lui, hein, d'ailleurs. En plus. La vraie phrase de Pierre de Coubertin, mais il le disait qu'en privé, c'est l'important, c'est de niquer la gueule à l'adversaire. Non, mais vous pouvez aller visiter son château. Mais on a autre chose à foutre, mon petit Ruquier. Oui, on doit aller à la maison de Colette, on ne peut pas le faire. Non mais c'est une des activités les plus courantes des Français en vacances. Oui. Aller visiter le château de Pierre de Coubertin. Oui, il n'y a que ça. Il est où le château? À Mirville. C'est où Mirville? Il est ouvert une fois par an pour... Il y a une affluence. Mais je te raconte pas les embouteillages de Mirville. C'est énorme. Jusqu'à 20 personnes. Oui. Mais oui, pour les journées du patrimoine. Ah d'accord. Ah oui, c'est vraiment tout est plein ailleurs quoi. Et chaque année, il y a le semi-marathon de Bolbec. Peux-tu nous faire rêver, Laurent, excuse-moi. Il nous prend pour des cons. J'arrive pas à tout noter là, attends. Qui rassemble un millier de coureurs du monde entier, monsieur. Du monde entier, tu parles. Qui traverse les jardins du château. Du monde entier. Voilà. Et Pierre de Coubertin, son cœur est à Olympie. Car c'est qu'il y reste. Car c'est le berceau des JO. Mais... Et vous auriez dû le savoir. Bravo à Kevin Plaisir qui recevra un chèque de 300 euros. RTL. Allô. La valise est de retour. Allô. Oh là 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 là, il y a tellement de choses dans la valise RTL. Voilà. Franchement, j'espère que vous avez eu le temps de bien noter pendant les vacances le contenu de la valise RTL. Un numéro entre 1 et 20, Isabelle Mergaux. 18. On va appeler William Villeneuve, qui est à Fontenay-sous-Bois, dans le 94. Il se la à côté de chez moi. Ah, c'est près de chez vous, ça? C'est pas très loin. Vous me garantissez que vous ne le connaissez pas. Je ne connais pas. Alors...
C'est la nouvelle valise 2015. Oui, allô. Bonjour. Allô, bonjour, William. Ah oui, c'est moi, oui. William Villeneuve. Ah, tout à fait, oui. Et vous habitez bien Fontenay-sous-Bois. Oui, vous connaissez Isabelle Mergaux? J'habite à côté de chez vous. Ah oui, oui, ah, c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est dingue. Hein. Et vous, vous savez pourquoi je vous appelle? Bah oui, je sais, mais je vais pas pouvoir faire grand chose pour vous. Mais bon. C'est embêtant, ça. C'est moi qui voulais faire grand chose pour vous, monsieur Villeneuve. C'est vrai, bah oui, non, c'est dommage, ouais. Et je vous appelle pour la valise RTL, évidemment. Ben oui, j'ai bien compris, mais je la connais pas. Bah pourquoi alors? Pourquoi vous êtes inscrit? Bill, pourquoi vous êtes inscrit alors? Ben c'est juste pour passer à la radio. Ah. Voilà, ben, c'est réussi, c'est gagné alors. Voilà, j'ai gagné au moins. Je note jamais, c'était juste pour avoir mon petit moment de gloire. Ah bah vous l'avez eu, alors faites quoi dans la vie, William? Je suis commercial, je vends de l'informatique. Ah bah oui, mais enfin quand même, vous vous rendez compte, je vais refaire la liste, hein, parce que quand même, oui. Elle n'a pas été gagnée depuis longtemps, la valise RTL. Mm-hmm. Alors pour ceux que nous appellerons dans les jours qui viennent, notez bien, 1002 euros, William. Oui, ça je l'avais, je l'écoute en podcast. Oui, vous l'aviez, mais vous ne les avez pas. non, oui, je les avais virtuellement. Le DVD du spectacle de Gad Elmaleh avec une tablette tactile Samsung. M'en fous, ça j'ai déjà téléchargé. Non, faut pas le dire, il est bien. 4 places pour la comédie musicale Mistinguette, Reine des années folles. Pierre Bénichoux connaît tout le répertoire de Mistinguette. Oui, Mistinguette, Pierre Bénichoux. Ouais, on dit que j'ai de belles gambettes. C'est vrai. Vous avez bien fait de le mettre sur le coup, là. Les en trompette, c'est vrai. Un assortiment Jeff de Bruges composé d'un ballotin de 500 grammes. Je suis d'origine, donc ça pose pas de problème. À consommer de préférence avant le 2 janvier. Le livre Macaron, dédicacé par Pierre Hermé. Macaron. Une croisière byzantine de chez Croisières de France. Ça, c'était pas mal quand même, une jolie croisière. Ah oui, ça c'est pas mal, ouais, dommage. Ouais. Une sélection de livres Larousse. Voilà. Un écran LCD Panasonic 42 pouces. Ah oui, il y avait du lourd quand même. Il y avait du lourd. Tu fais moins le malin. Ça fait moins le malin. Sans oublier un triple album, Les années barboliviens. Voilà, et ça, on te l'offre. En tout cas, tu voulais avoir ta minute de gloire. Tu l'as maintenant, t'es connu, mais t'es surtout connu pour le mec qui a loupé vachement de cadeaux. Ta femme et tes gosses, ils vont être contents. Il est même pas capable de gagner à la radio. Vous êtes marié, William? Oui, je suis marié, j'ai deux filles. Oui. Comment elle s'appelle, votre épouse? Elle s'appelle Esther. Esther, est-ce que vous voulez une montre RTL pour Esther, tout de même? Oh non, elle va pas vouloir ça. Elle n'est pas très polie, Esther. Joli. Si la montre était faite par Chanel, elle l'aurait prise volontiers. Madame a des goûts de luxe. Tu veux pas prendre une bonne baffe de chez Dior, non? William, on vous embrasse quand même. Alors tant pis, on garde la montre RTL. Vous continuez à écouter les grosses têtes tout de même. Eh ben non, je vais arrêter. Ah oui, quand même, il faut que j'ai une petite vengeance. Ah, il est drôle quand même, notre auditeur. On essaye de s'entretenir en vous écoutant. Allez William, on vous remercie en tout cas d'avoir participé à la valise RTL. Une question pour monsieur Julien Laurent maintenant, qui habite Coulans-sur-Gée. C'est dans la Sarthe. Coulans-sur-Gée, ça c'est dégueulasse. Heureusement que c'est pas madame Méa qui habite à Coulans. Coulans-sur-Gée pour madame Méa, c'est pas beaucoup. Quelle est la particularité de la voiture de monsieur Albert Bosch qui participe au Dakar, qui est parti, vous le savez, comme depuis quelques années, de Buenos Aires. Il y a quelques jours. Non, il n'y a pas la clim. Est-ce que c'est la couleur de la voiture? Non. Elle est électrique. Elle est électrique. Bonne réponse de Titoff. C'est la première voiture électrique qui participe... Une voiture propre. Au Dakar, exact. Parce que voilà, il n'a pas une voiture sale, Bosch. Il a une voiture propre. Albert Bosch. Je croyais qu'il avait un toit en pointe. Albert Bosch pilote la première voiture électrique du Dakar. Il a 48 ans. Alors, il y a un truc quand même assez curieux, c'est que, évidemment, il faut la recharger. Comment il n'y a pas de prise partout. Tous les 250 km, on change les batteries de la voiture. Sauf que pour changer la batterie de la voiture. Il faut un hélicoptère et trois camions, évidemment. Oui, ça économise. Ça pollue 18 fois plus. Très écolo. Vous ne croyez pas si bien dire. Effectivement, il faut deux camions. Non. Oh là là.
C'est une blague. Qui eux ne sont pas électriques. Ah non, mais c'est ridicule. C'est très con. Qui viennent changer les batteries de la voiture. Et en plus, il va arriver avec 3 mois de retard. Et en plus, les vieilles batteries, on les laisse dans la forêt. Ça se décompose. Il y a du plomb, du cyanure et des plein de merde. C'est pas du tout ridicule. Ils veulent montrer pendant les 250 km de charge les performances de la voiture. Mais c'est vrai que c'est pour montrer que c'est plus propre de rouler... Non, c'est plus propre avec 2 douze tonnes derrière qui polluent... C'est pas plus propre parce qu'on sait pas quoi faire des batteries aussi. Bah bien sûr. Moi, je me déplace en Autolib. Ah oui. C'est très agréable. Ah oui. Faut que je fasse attention quand je longe la Marne parce qu'il n'y a pas de... Tu peux tomber dedans. Non, et qu'il n'y a pas d'autres voitures, parce que ça fait tellement pas de bruit, il y a des cyclistes, je suis obligé de klaxonner pour dire que je suis là. Ah, ils vous entendent pas arriver. Mais t'arrives à klaxonner doucement, parce que ça peut faire peur. Non, justement, je me fais engueuler. Alors moi, je les engueule, je baisse la vitre et je dis, connard, tu m'aurais pas entendu sinon, et on aurait pu avoir un accident. Ouais, voilà. Et moi, je serais que toi, j'ouvrais la portière, et puis pas, je balancerais dans la Marne, ce connard. Non, parce que les cyclistes, il y en a ras-le-bol. Mais ils font chier, les cyclistes, moi aussi. J'en les cyclistes, il n'y a pas pire. Ah, j'en peux plus. Les deux roues, j'en peux plus. Le deux roues, c'est l'ennemi. Mais oui. T'as raison. Moi, je veux de l'ordre dans Paris. Les vélos, chaque chose à sa place. Les vélos sous l'autobus. Et voilà. Ouais, ils y terminent souvent. Hein. Cela dit, moi, il y a un truc que je trouve vachement bien avec les Autolib, c'est les emplacements. Ah oui. Parce que tu te gares dessus, tu mets un faux fil électrique entre ta bagnole, ta bagnole et une borne, et tu passes inaperçu, évidemment. Mais je trouve que la grande idée, c'est l'Autolib, mais la mauvaise idée, c'est qu'il n'y en ait pas plus. Il faudrait en mettre partout et plus du tout de voitures. Mais ça va pas, non? Mais si. Et tu t'y mettrais comme tout le monde, tu t'y mettrais. Non. Libéré, délivré. Voilà, c'est la reine des neiges là. Ah oui, ma fille, elle a la reine des neiges. Je n'en peux plus. Parce ah, c'est insupportable cette chanson. Non mais attends, la poupée, elle chante toute seule. C'est comment la chanson? Libéré, délivré, je ne mentirai plus. Ça m'a libéré, délivré, c'est décidé. Qu'est-ce que c'est que et ça? Alors la mienne, ma fille, elle a une poupée qui se déclenche toute seule. Et qui chante ça? Et la reine des neiges, tu sais où elle est en ce moment? Dans le concello. Jusqu'à 18h, Laurent Ruquier et les grosses têtes sur RTL. Et vos grosses têtes très en forme aujourd'hui sont Isabelle Mergaux, Pierre Bénichoux, Titoff, Philippe Gueluc, Christophe Beaugrand et Jean-Jacques Perroni. Une question pour M. Robin Munoz qui habite Agde dans l'Hérault. Andrea Bonomi est italien et il a renoncé à faire quelque chose dont on va beaucoup parler et qui va avoir d'importantes conséquences. À quoi a renoncé l'italien Andrea Bonomi? Aucun rapport avec Andrea Bocelli. Andrea Bocelli, non. Rien à voir. Racheter le club méditerranéen. Il a renoncé à racheter le club Med. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. Et oui. Andrea Bonomi est un homme d'affaires italien qui avait pour projet de racheter le Club Med, mais il y renonce, laissant les Chinois, finalement, sûrement devenir propriétaires du Club Med. Il faut dire, et ça je l'ignorais, que la deuxième nationalité parmi les clients du Club Med, évidemment la première, sont les Français. Ce sont les Italiens. Non, ce sont les Chinois. Ah ouais, et les Belges, les Belges. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de Chinois dans les Club Med. Moi, je ne pensais pas qu'il y avait autant de Chinois tout court. Ah bah si, mais dans les Club Med, non. J'ai jamais vu un seul Chinois dans un club. C'est important comme pays, la Chine. Bah non, moi j'ai revisionné les bronzés. Il n'y a pas un Chinois dans aucun des deux films. Bienvenue à Gala Swing, da, da, la dire la dada. Voilà. Il y a du soleil et des nanas, da, la dire la dada. On va s'en fourrer jusque là, da, la dire la dada. Pousse ta banane et moule ta oui, alors... la dire la dada. Tous les alors, soirs, on fera la pardon, dada. Pardon, mais sauf que pour plaire à la clientèle chinoise, désormais, il faudra la chanter, cette chanson, façon Mireille Mathieu, parce qu'il y a quelques qui connaissent. Oh mince. Je n'avais pas pensé à ça, monsieur Ruquier. Bienvenue à Gala Swinga, dar la dir la dada. Il y a du soleil et des nanas, dar la dir la dada. On va s'en fourrer jusque là, dar la dir la dada. C'est monstrueux. Pousse ta banane et moule kawa, dar la dir la dada. Oui, monsieur Ruquier, 20 000 euros. Oh là là.
Une question maintenant pour Laetitia Joly qui habite Jantes en Charente. Jantes. Une belle carrosserie sûrement. Jantes. Peut-être avez-vous lu l'interview et l'excellent papier d'ailleurs de notre grosse tête, Franz-Olivier Gisbert dans Le Point, qui est allé rencontrer Alain Juppé, un des éventuels candidats à la présidentielle 2017. Et quand on l'interroge sur les... évidemment, les politiques et les partis avec lesquels il pourrait gouverner, Monsieur Juppé répond à Franz-Olivier Gisbert, il faudra peut-être songer un jour à couper les deux bouts de... Les deux bouts de quoi ? De l'échiquier politique. Non. De l'omelette. De l'omelette. Bonne réponse de Pierre Bénichoux. C'est exactement c'est la métaphore. Mais c'était l'expression très courante. Ah oui, c'est courant. Ouais, ouais. Couper les deux bouts de l'omelette, ou ça oui. Mais ça veut dire quoi? Tu entends ça surtout chez les jeunes. Oui, il faut couper les deux bouts de l'omelette. Non, j'ai pas dit que c'était jeune ou que c'était de l'omelette. Je fais pas l'accent belge. Je fais mais pas l'accent pas belge. Belge, il faisait pas quand, belge. Quand je t'imite, alors pourquoi tu fais l'accent arabe quand tu m'imites? Saloperie. C'est sorti comme ça. Saloperie. Il a exactement dit, monsieur Juppé, il faudra peut-être songer un jour à couper les deux bouts de l'omelette pour que les gens raisonnables gouvernent ensemble. Ça veut dire recentrer. Et, voilà. Laisse, de, et laisse de côté les deux extrêmes, de droite comme de gauche, qui ouais, n'ont rien ça. Compris mais au oui. monde. Mais alors, mais moi, oui. je vois pas l'omelette là-dedans. Non, mais il faudrait surtout. Mais alors, tu as une omelette. Et tu sais qu'à gauche, t'as des révolutionnaires et qu'à droite, t'as des fachos. Au bout de l'omelette. Si tu coupes au bout les deux de tout. Bouts. Tout a un bout. Le pain a des bouts aussi. Il faut couper les deux bouts. Faut manger la banane par les deux bouts. Non, voilà. Moi, je crois que ce qui veut dire, c'est que si vous roulez une omelette, ce qu'on fait en général avec une omelette, les deux bouts sont un peu secs. Ils sont moins, moins bons. C'est vrai que ça bave à l'intérieur. Et le meilleur, c'est le centre de l'omelette. Dépend, le grand centre. Ah bah non, c'est mieux quand ça bave. Pas forcément. Non, c'est vrai qu'on peut le faire attendez, avec... Attendez, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment Isabelle Mergaud fait son omelette. Alors, Isabelle. Ou rappelons Madame Méa pour savoir si l'omelette doit baver. Non, moi, elle bave. Elle bave, mon omelette. Ouais. J'aime beaucoup. Oh, mais justement, bon qu'est-ce qui donne la saveur du côté baveux de l'omelette ? L'escargot. C'est parce qu'il y a le bout. Et comme le bout étant un peu sec, on peut mieux faire la différence et on peut mieux savourer. Tu veux dire qu'on peut mettre le truc sec, s'il n'y avait que du truc baveux, c'est un peu écœurant. C'est bien qu'il y ait ce petit bout. Non, mais de toute façon, vous aurez beau couper les deux bouts de l'omelette. Il en restera toujours des bouts. Il restera toujours deux bouts de l'omelette. Oui. Ben voilà. L'omelette, le secret, c'est de ne pas battre les œufs avant. Ah, si. Tu permets, chérie ? Enfin, chérie, enfin. Deux thèses s'affrontent. Écoutez la conférence du père Poulard. Vous prenez vos œufs, vous les mettez dans un bol. On peut parler dans une jatte. Dans une jatte, oui. Dans une jatte. Une belle jatte. Dans une jatte. Une belle jatte bien baneuse. Une grosse jatte. Est-ce que vous êtes prête à prêter vos... Tu crèves les jaunes à la fourchette. Attendez. Il y a Isabelle Mergaud qui veut bien vous prêter sa jatte. Oui. Est-ce que t'as une sa jatte bien baveuse. T'as une grosse... Allez. On prend la jatte, Isabelle, ou pas ? On prend la jatte d'Isabelle, on prend la grosse... Non, mais moi, j'ai des jattes cigognes qu'on met les uns à l'intérieur des autres. Elle est tellement mignonne que... Alors, vas-y. Qu'est-ce qu'on met dans ta grosse jatte, alors ? Tu mets, par exemple, tu mets pour quatre... Pardon, j'ai pas entendu. T'as pris ta grosse cuillère, ou pas ? Pour quatre, tu mets combien d'œufs ? Tu en mets 8. Et après, tu sors ton fouet. 6. Mais je vous fais remarquer... 10. Toutes ces conneries-là, ça vient encore la faute de Juppé. Il aurait pas pu fermer sa gueule. On serait pas là-dessus. Hein. Tu prends ta fourchette et tu brises, tu crèves les jaunes. Ouais. Mais tu as c'est agréable. Tout ça parce qu'ils ont racheté le Club Med. Avec l'autre main, t'as déjà mis un filet d'huile. D'huile. Pourquoi d'huile. Tu le fais avec l'autre main? Tu peux faire avec la même main. On a... Ah, d'accord. Un filet d'huile. T'as jamais vu les films parlant des deux côtés? Il secoue des deux côtés. Oui. Alors, il est comme tu ça. Mets un filet d'huile et après ça, tu mets ton beurre à peine manié. Tu le mets ton beurre comme ça, manier. Le beurre ne noircit pas. Ouais. Tu prends ton omelette qui est à peine battue. Oh regardez-la, regardez la France. Regardez la France. Je leur raconterai la bombe atomique, ils s'en foutraient. Mais là, ils sont là. Tu as salé poivré avant, évidemment. Mais tu mets ton beurre dedans ou dans la poêle ? Dans la poêle. Ah bah voilà, mais c'est pas clair. Pourquoi tu nous invites pas à déjeuner plutôt ? Alors ça veut dire qu'elle est garnie à rien, là. Elle est nature. Elle est toujours nature, l'omelette. Ah, fines herbes. Pierre, c'est fines herbes, quelle horreur. Pierre, c'est du beurre magné dont tu as parlé ? Oui. Tu sais ce que c'est, le beurre magné ? Non, c'est quoi ? C'est du beurre qui est préparé avec de la farine. En pâtisserie, c'est ça le beurre magné. Non, c'est pas ça du tout. Pas chez moi. Bon, tu mets ton beurre. Tu couvres.
Et après. Tu le laisses pas brunir, j'espère. Tu le laisses pas brunir, tu mets le contenu de ta jatte, et là, tu commences à branler le manche. Vous êtes bien sur les grosses têtes de la poêle, et c'est là, et tu continues à battre. Avec ta fourchette, parce qu'il y a dans des... la voilà. poêle. Merci, monsieur. Et demain, Pierre Bénichou, la recette du couscous. Voilà. Oh. On dirait Jean-Pierre Coff qui nous explique mais la recette. Mais arrêtez d'écouter ce vieux con, il dit n'importe quoi. C'est pas comme ça qu'on l'a fait, l'omelette. Enfin, écoutez, en tout cas, franchement, monsieur Juppé a bien fait de choisir cette comparaison, parce que je sais pas si lui, il est comme l'omelette, mais en tout cas, c'est... Bon, en tout cas, il en a la coiffure. Ouais. Et je sais pas s'il a deux bouts en même temps. C'est vrai que ça fait déjà un crâne d'œuf pour l'omelette. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Bonjour Thomas. Thomas Picandet qui a 24 ans et qui écoute les grosses têtes depuis la Roche-sur-Yon. C'est bien ça ? C'est bien ça, Laurent. Bonjour à tous. Qu'est-ce que vous faites à 24 ans ? Vous êtes étudiant encore ou travaillez ? Non, je suis réceptionniste dans un hôtel. Réceptionniste dans un hôtel ? Quel genre d'hôtel ? Oh, bah ça y est. C'est des hôtels qu'on appelle des hôtels économiques. C'est les gens viennent avec leur carte bancaire directement. Comment ça se fait qu'il y a un réceptionniste dans les hôtels économiques ? Il n'y en a pas d'habitude. Ah si. Ah oui ? Oui, il faut bien accueillir les clients. Ah quand même, alors. C'est quoi un hôtel économique ? Lui, son rôle, c'est le mec qui ramasse les préservatifs. Mais non, pas du tout. Non, mais vous voyez parfois des coupes illégitimes arriver pour juste deux heures dans ce type d'hôtel. Ah, ça, c'est secret professionnel, ça, Christophe. Mais là, c'est pas le secret. Il vous demande, c'est une généralité. Il vous demande pas des noms et des numéros de carte d'identité. C'est comme si on demandait à un docteur, il vous arrive de voir des malades. Non, secret professionnel. Je peux rien dire. Il a raison, Philippe Thomas. Ça, c'est drôle. Franchement. Ben oui. La petite brune de l'autre jour, là, elle vient toujours avec le masque. Oui, elle vous a réclamé la semaine dernière. Bon, bah écoutez, Thomas, vous allez peut-être... Ce qui est drôle, c'est que vous allez peut-être partir au grand hôtel Le Touquet Paris-Plage. Ah bah oui. Un 4 étoiles. Bah, ça va le changer. Oui. Ça va vous changer. Ouais. Et tu vas voir ce que ça fait d'avoir les toilettes dans la chambre. Idéalement situé sur la baie de la Canche, à proximité de la plage et du centre-ville. Un cadre contemporain, mais décalé et surprenant, vous attendra. Piscine intérieure chauffée, sauna, spa, le grand hôtel, Le Touquet Paris-Plage sera idéal pour un joli séjour. C'est génial, j'y suis allée. C'est vrai ? Ouais. Un joli séjour que nous vous offrirons. Thomas, si vous répondez à la question qui vient, quelle chanson écrite, attention, il y a un piège, par Johnny Mercer... Le Bob... frère de Bonanif. Elle est bien. Elle est belle, celle-là. Quelle chanson écrite par Johnny Mercer va être reprise sur son prochain album par Bob Dylan. Une chanson très célèbre, écrite pour le livret en anglais, attention j'ai bien dit en anglais, par Johnny Mercer. Donc c'est une chanson française à la base. C'est une chanson qu'a interprétée Franck... On lui laisse 10 secondes quand même. Et c'est une chanson française à la base. C'est une chanson française à la base. Est-ce qu'elle a été chantée par une star des yéyés ? Elle a été chantée par des tas de gens. Et c'est vrai qu'il y a une version anglaise écrite par Johnny Mercer et Bob Dylan. Bob Dylan lui-même va la reprendre. Elle n'a pas été chantée par Annie Cordy. Non. Non, je pensais à Tata Yo-Yo, mais non. Je ne vois pas Bob Dylan. Non. 36e album studio de Bob Dylan qui va sortir en février avec 7 chansons sur l'album. 7 chansons françaises. C'est pas beaucoup. Non, pas 7 chansons. Du démonstratif. 7 CE, 2 TE. Il en mettait 12 d'habitude. Oui, parce que c'est feignant. Il va d'ailleurs reprendre des chansons de Sinatra. Et 7 chansons, qui est une chanson française au départ et qui s'appelle, Thomas ? Je sais pas, comme d'habitude. Est-ce que ce serait pas le... C'est une chanson de traînée ? Les Amants de Saint-Jean ? Non, Pierre. Je croyais que c'était comme d'habitude. Non, c'est pas comme d'habitude. Est-ce que c'est une chanson qui a été chantée par une star comme Johnny Hallyday, par exemple ? Johnny, non, je ne crois pas que Johnny l'ait chantée. Gilbert Bécaud ? Les copains. Les garçons. Gilbert Bécaud l'a chantée ? Non. Charles Trenet ? Attendez, Isabelle Mercaud va nous chanter Georges Brassens. Ah, j'adore. Mais par Bob Dylan. Vas-y, fais-nous. Non, ce n'était pas le radeau dans la méduse, ce bateau. Tout qu'on se le dise au fond des ports, oui, au fond des ports. Non, mais c'est pas en anglais, ça. Ben oui, mais... No, it wasn't of the Medusa of the boat. Et ce serait pas les feuilles mortes ? Les feuilles mortes ! Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni.
Et ça s'appelle même Autumn Leaves. Autumn Leaves, écrite par Johnny Mercer, parole française au départ de Jacques Prévert, évidemment. Mais c'est Johnny Mercer qui a fait la version anglaise. Ça a même été chanté par Piaf en anglais. J'ai la version. C'est joli par Piaf. Écoutez. C'est perdu pour vous, Thomas, en attendant. Désolé. Écoutez un peu. The falling leaves drift by the window. Je peux traduire, si vous voulez. Traduisez, Isabelle. Les feuilles se ramassent à l'appel téléphonique. Non. Et c'est quand elle a chanté ça à New York qu'un grand producteur américain est venu la féliciter en lui disant, parce qu'elle a chanté en dernier celle-là, et il a dit, j'adore quand vous chantez en italien. C'est pas vrai. Oui, parce que son anglais, oui, son anglais n'est pas très reconnaissable. Écoutez encore. Mais elle n'a jamais chanté. Pierre Benichou, oui, ce petit truc de la chanson, c'est que cette chanson appartenait à mon temps. Oui. C'était mon temps. Donc, elle ne l'a jamais chantée en français. Elle n'a chanté qu'en anglais, au Versailles, en 49, au moment de la mort de Cerdan. Hein ? Et ben voilà. Ben ça... Eh bien, ça jette, voilà. Ça jette en phrase. Il y a des fois où on préférerait vraiment avoir les feuilles mortes. Hein. Les feuilles mortes sur un mast à l'appel. Vous voulez faire un duo, Beaugrand et Benichou, sur cette chanson ? Allez, commence, Pierre. Les deux bouts de la vie. Eh ben, rassemblons les deux bouts, faisons une belle omelette ensemble, mon Pierrot. Ça va être lamentable. Il faut couper les deux bouts de l'omelette. Allez, vas-y, commence. Donc, il chante, il est tellement malin, le chauve. Là. J'ai vexé. Crève, connard. Tu as vexé pour de bon. Allez, Pierre. C'est une chanson qui ne ressemble. Toi qui m'aimais. Moi qui t'aimais. Et nous vivions. Oh, c'était tous deux ensemble. Oh là là. On a l'impression que c'est les folles mortes. Pourquoi vous êtes énervée, Isabelle Mergaux? J'aime pas cette chanson, elle est trop sirupeuse. Les feuilles mortes. Ouais, oh oui. Elle est trop... Et puis les pas des Allemands désunis sur le truc. C'est bon, ça rappelle des mauvais souvenirs. Les pas des Allemands, y'a. Pour réussir la feuille morte, il faut mettre de l'orgeat dans le pastis. Non, c'est une jolie chanson, les feuilles mortes. J'aime pas, mais ça et la mer aussi, comme dit Benichou. C'est vrai, j'aime pas la mer de Charles Trenet, tout ça. Oui, mais comme on disait... La mer de Charles Trenet, ça y est, pas en bon état, la pauvre. N'y touchez pas. Oui, mais enfin, une mer, c'est sacré. Elle existe aussi, un standard belge aussi, les feuilles mortes. Non, mais nous en avions d'autres. Le port de... Si vous prenez Brel, vous avez... Et d'ailleurs, David Bowie... Quand on parle de Dylan, mais rappelons-nous que David Bowie a chanté Amsterdam. Oui, c'est pas vrai. Ah, oui. In the port of Amsterdam. Oh, Amsterdam, et là il y a Dieu, il y a la dame. Non, ça c'est Guibéa. Non, mais en tout cas, il y a des standards belges formidables. Ah oui. Vous connaissez pas Jules César? Le standard de Liège, par exemple. Jules César, on l'appelle Jules César, il mettait pas de falzar pour qu'on voit ses belles jambes, ses jolies jambes, ses jambes de superstar. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors ça, c'est le grand Jojo. Ça, c'est le grand Jojo. C'est formidable. Et il y a un type qui a fait encore mieux en Belgique, qui fait des spectacles et qui s'appelle le Grand Jojo Malade. C'est-à-dire, il chante le répertoire de Grand Jojo, mais à la manière de Grand Corps Malade. Et c'est, oui, Jules César. C'était un fameux castard. Il avait des falzards et des trucs comme ça. Ah non, mais c'est magnifique. Formidable. Le grand Jojo, c'est magnifique. Qu'est-ce qu'il chante d'autre, le Grand Jojo? Chef, un petit verre, on a soif. Ah oui, Chef, un petit verre, on a soif. Un petit verre, on a soif. C'est bon, ça. C'est les gens. Un petit verre, on a soif. Ah, c'est mieux, c'est pas immense. On a soif. Regarde les cons qui applaudissent. Tapez dans vos mains tous les cons, allez-y. Arrête, c'est la joie, ça. Philippe Picard, qui habite Duison, dans le Loir-et-Cher, va peut-être recevoir un chèque de 300 euros. Si vous êtes... Excusez-moi, oui. Philippe Picard, oui. Est-ce que c'était pas un des enfants de Madame Courgeot? Non. Et il recevra un chèque de 300 euros si vous n'êtes pas capable de me dire comment Monsieur Rémy Roussel, que nous allons avoir au téléphone dans un instant. C'est pas lui, mais c'est son collègue Cyril Hugo qu'on va avoir au téléphone. Ah oui, il y a beaucoup de noms là d'un seul coup. Ils sont deux, ils sont cofondateurs. Rémy Roussel, il est dans l'immobilier, je crois. Il a trois maisons. Oui.
Enfin, c'est plutôt son frère. C'est le plus jeune, c'est le plus jeune de la famille. Cadet, oui, c'est ça. Donc, écoutez, je peux poser ma question. Eh bien, peut-être que non. Mais il a des maisons qui n'ont ni porte ni chevron. Hein. Ah, oui. Monsieur Roussel, oui. Rémi Roussel, oui. est cofondateur avec Cyril oui. Hugo, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Oui. D'un service, c'est oui. un service oui. qui va peut-être vous permettre d'économiser 150 euros l'année prochaine. Pas cette année, si vous n'avez pas déjà fait appel à eux, c'est trop tard, mais pour l'année prochaine, vous pourrez y penser. Comment peuvent-ils vous faire économiser 150 euros? Alors, il faut s'inscrire très à l'avance, parce que là, l'année vient de commencer, c'est déjà trop tard. Eh oui. Des trucs de rencontre? Non, c'est pas un rapport avec l'électricité? Du tout. Eh, c'est pas pour se débarrasser des sapins de Noël? Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Bravo Jean-Jacques. 150 euros? Ouais. Mais comment ça pour se débarrasser de parce que c'est une amende que vous risquez 150 euros si jamais on vous surprend en train de déposer votre sapin. Quoi? Mais je l'ai fait hier soir. Ah bah, le dis pas. Ah mais alors aux yeux et au-dessus de mais tout le oui. monde. Mais vous n'avez pas le droit. Mais, ah bon mais je ne savais pas. Mais c'est mais nouveau, oui. c'est encore pour s'en foutre c'est plein pas les marqué poches. Sur le sapin que j'ai pas le droit de l'abandonner. Attends, non mais attends, tu dis c'est pas marqué sur le sapin, mais c'est pas marqué sur le chien non plus, qu'on peut pas l'abandonner. Et avant les vacances, il y a des tas de gens qui les abandonnent. Le long des autoroutes. Monsieur Hugo, bonjour. Misérable. Monsieur Hugo, bonjour. Oh. Expliquez-nous alors. Bonjour à Notre-Dame. Vous êtes cofondateur du site qui s'appelle Treesmas, c'est bien ça? Exactement. Treesmas. Et pourquoi en anglais alors? Eh ben, trees, comme les arbres. C'est un jeu de mots. C'est un jeu de mots avec Christmas. C'est parce que le jeu de mots marchait pas avec, oui. Avec Noël, vous voyez? Oui, mais enfin, pourquoi faire un jeu de mots uniquement pour être oui. pour avoir un mot anglais quoi. Mais oui, tu lui dis qu'il est... Non, il est en train de vous dire vous avez fait une connerie, mais c'est pas grave. Monsieur Victor Hugo, est-ce que c'est une bonne idée de lancer votre site oui. juste au moment où c'est plus ça peut plus oui. rien rapporter aux gens. Mais non, mais c'est valable pour l'année prochaine. Parce on que aura oublié. Vous avez... Mais non, mais son site est déjà lancé depuis un moment, n'est-ce pas, Monsieur Hugo? C'est ça, ça fait 3 ans qu'on fait ça. Et voilà. Il y a seulement maintenant qu'on le connaît. Bon, alors concrètement, comment ça marche? Moi, par exemple, j'ai un sapin à jeter. Qu'est-ce que je fais? Si vous avez déjà acheté un sapin, ben, nous, on peut vous proposer de vous le récupérer. Ouais. Mais le système tel qu'il fonctionne en base, c'est d'abord, vous allez sur notre site, vous commandez un sapin, on vous le livre, vous en profitez pendant Noël. Et bah, vous le sapin, je le garde. Chercher. Qu'est-ce que vous en faites une fois que vous êtes venu le chercher? Vous le revendez pour l'année prochaine? Ah, vous vendez donc un sapin avec des racines? C'est ça, un sapin. Donc si on achète ouais. un sapin chez vous, on peut peut-être tomber sur un sapin qui a déjà servi chez des gens où il y a eu des morts et tout ça, oui. et ça porte malheur. Non. Ce que vous me confirmez en tout cas, et vous allez pouvoir le confirmer à Isabelle Mergaux, c'est qu'on n'a pas le droit de déposer son sapin dans la rue, n'est-ce pas? Ah non. Bah, typiquement à Paris, dans la rue, en bas dans les rues, c'est interdit. Et moi je vais le faire dès ce soir, tiens, pour emmerder la municipalité. Il y a une centaine de points de collecte dans les parcs parisiens, donc franchement, il y a des endroits où vous pouvez le déposer votre sapin, mais si vous préférez qu'on le vienne chercher chez vous, voilà, c'est tout simple. Non mais surtout c'est écolo, on se dit tiens, voilà, on n'a pas tué un petit sapin, on va le replanter, ouais. il va avoir sa vie de sapin, ah c'est oui, bon. Non, mais ça mérite une grève quand on pense. Ouais. Le monde est à feu et à sang ici. Il n'y a que 100 de récupération de vieux sapins. S'il est dans l'état de décrépitude d'Isabelle, je veux dire de celui d'Isabelle, on ne peut pas le replanter. Il est tout sec, le Mais tien. Non, mais moi, il est tout blanc, surtout. Il y avait ma fille voulait qu'il y ait du... Ah, t'as mis de la neige? Oui. Non, je l'ai acheté neigeux. Bah oui. Ah. Il y a rouge ou blanc. Oui, après, oui. moi, je mets du parfum de senteur sapin. Sapin, ça sent sapin. Sapin. Hein voilà. Oui, mais et après, tu fumes à côté. J'ai mis des cadeaux. Explose. J'ai mis que les emballages, parce que les enfants n'aiment que les emballages. C'est bien connu. Donc, c'est pas la peine de non plus de se décarcasser. Avant l'âge de 10 ans, c'est pas la peine. C'est-à-dire que tu offres des boîtes vides? Les enfants adorent. Ah bon? Mais ils jouent beaucoup plus avec les emballages bien sûr, qu'avec mais oui, les jouets. Oui. Donc, tu récupères des cartons, tu fais des paquets. T'as lu Harpagone? Tu connais son truc? Le roman du Navarre. Elle donne que des boîtes vides aux autres. Ils préfèrent les enfants. Souvent, entre un paquet de bonbons et une bonne gifle, ils vont me dire une bonne gifle. Rappelez comment s'appelle votre site internet pour ceux qui ne se seraient pas inscrits cette année. Mais vous m'avez quand même dit quelque chose d'intéressant. Vous dites que vous êtes prêt à aller chercher même les sapins que vous n'avez pas donné, vous? Ça, en fait, on a eu des demandes l'année dernière et même cette année de personnes en fait qui connaissent le site une fois qu'ils ont acheté leur sapin en pot. Et bon, s'ils sont coupés, concrètement, on peut rien faire pour eux. Hein, mais s'ils sont en pot, nous, on peut les récupérer et on peut les replanter. Alors, rappelez le nom du site une dernière fois. Treesmas, Treesmas. Eh ben merci, monsieur Hugo. Merci à vous. On le saura pour l'année prochaine.
Attention, j'ajoute dans la valise RTL le fameux ensemble de valises David. C'est oui, vous savez, c'est devenu une habitude. On met des valises dans la valise. Trois valises en une. Et les valises David sont des magnifiques valises, quatre roues, signées du grand maroquinier David. Ça sert à quoi ? Il y a une valise 80 litres, une valise 33 litres et une valise 52 litres. Trois. C'est que pour du liquide. C'est que pour les, non, c'est que pour les bouteilles. Elles sont étanches, oui, vos valises. Trois valises incassables d'un beau rouge, un rouge RTL. Ah bah je mets du rouge dans les bouteilles, moi, oui. Mais les valises n'ont pas quatre roues. Si, ah bah si. Mais alors si, elles sont toujours quatre roues pour pouvoir faire le virage. Mais tu dois les tirer en rampant. Ah alors, oui, quatre roues du même côté, oui. Bah sinon, ça n'a pas de côté. Quatre roues. Deux et deux. C'est des rollers. Quatre roues, quoi. Mais pas à chaque extrémité. Ah, bah non, sous la valise, évidemment. Ouais. Mais non. Parce que sinon, non, Isabelle. Parce que sinon, s'il y a un habitacle et un volant, c'est une voiture. Non, mais pas à chaque extrémité de. Enfin, moi, Du petit côté. Non, mais c'est ça, du petit côté, pas du côté large de la valise. T'as deux fois deux roues. D'ailleurs, il y a deux catégories de gens qui voyagent. Tu peux voir ça dans les aéroports. Tu as ceux qui marchent droit comme ça en tenant leur valise à quatre roues, oui, droit à côté d'eux. Exact. Et puis tu as ceux qui la tirent sur deux roues. Comme un caddie. Comme un caddie. C'est ça. Moi, je préfère les gens qui la tirent sur deux roues. C'est intéressant, après l'omelette, la valoche, alors là, vous êtes tombés à bonjour, les gars. Hein, vous pouvez... Non, mais c'est tout de même étonnant de voir que l'humanité se sépare en deux grandes catégories. Ah, bien sûr. Vous pouvez commander vos valises, David, sur le site internet. Oui. Pourquoi vous m'appelez David? David, je ne veux pas commander de valises, Roland. Sur le site... David.fr. Mais alors, si c'est des valises en sapin, on peut appeler le monsieur qui vient de nous les reprendre quand on a fini le voyage. Elles sont incassables car conçues dans une matière super solide et résistante. C'est quoi ? Qui offre une souplesse rare. Oui, c'est quoi comme matière ? En boîte noire. C'est du polypropylène injecté. Non, oh, injecté. En argot, ça s'appelle Ponzebi. Injecté. Notez bien les trois valises qui sont dans la valise. Ah, non, elles sont dans le coffre maintenant. On a tout noté. Patient. Et voici maintenant une question pour Yannick. Oh, Yannick. C'est pas grave, appelle la Madeleine. Oh là là. Yannick Snauvert qui habite Tourcoing. Yannick comment? Snauvert. C'est un nom belge, c'est Snauvert. Voilà. Snauvert. Et cette question lui permettra peut-être de recevoir 300 euros. Si vous aussi vous avez remarqué cette erreur dans Paris Match. Erreur ou cette erreur? Sept et plus loin, erreur. Il y en a sept? Non, il y en a qu'une. C'est le jeu de cette erreur. Oui. On avait entendu la terreur. Vous savez d'où vient le jeu des sept erreurs? Non, mais on s'en fout. Ah non, c'est vachement intéressant. Allez-y. Tu sais, c'était les petits trucs dessinés, tu avais une image et puis le dessinateur avait volontairement introduit sept erreurs. Exactement. Ça vient des copies que font des artistes en herbe dans des musées. Ah oui. Lorsque tu reproduis une œuvre classique ou une œuvre, tu la reproduis aux mesures à l'identique, à l'identique, aux mesures du tableau original, tu es obligé par la loi d'introduire sept erreurs dans l'image. Mais ce n'est pas ma question. On voit la Joconde fumer le cigare, c'est là. Exact. Ça, c'est une erreur. Moi, j'ai lavé les genoux, elle a quatre bras. Et la Pietà de Michel-Ange quand elle a des jumeaux. Mais c'est pas ça ma question. Ma question pour monsieur Snauvert concerne une photo que vous avez peut-être vue dans Paris Match. Et moi j'ai noté une erreur. Je feuilletais Paris Match et particulièrement les pages hommage à Jacques Chancel qui nous a quittés, vous le savez, en fin d'année dernière. Et donc on retrace sa carrière un peu partout dans toute la presse hebdomadaire et particulièrement dans Paris Match où on voit une photo où Jacques Chancel chante sur la scène du Lido pour les 7 d'or. Il a chanté. Occasionnellement. Déguisé en compagnon de la chanson. Voilà. Sauf que là, il y a 10 personnes qui sont en train de chanter ensemble. 10. Oui, 10. Il y a Jacques Chancel, il y a Bernard Pivot, il y a Drucker, sûrement, il y a Pierre-Luc Séguillon, il y a Joseph Poli, il y a Patrick Poivre d'Arvor, il y a Alexandre Balou, il y a Pierre Tchernia et il y a William Lémergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vous en ai cité 9. Le 10e. Moi, je l'ai reconnu quand j'ai vu la photo. C'est Jean-Louis Jobert qui lui-même appartenait aux compagnons. C'était le patron des compagnons de la chanson. Voilà, compagnons de la chanson. J'imagine qu'il est là, Jean-Louis Jobert, évidemment, pour donner là, pour aider tous ces animateurs à chanter comme les compagnons de la chanson. Sauf que dans Paris Match, manifestement, ils ne l'ont pas reconnu sur la photo. Alors, ils ne l'ont pas cité. Ils mettent photo de famille des animateurs vedettes sur la scène du Lido, de gauche à droite, Pierre-Luc Séguillon, Bernard Pivot, Bruno Mazur, Jacques Chancel.
1-1. Gérard Holtz. Joseph Poli, Patrick Poivre d'Arvor, Alexandre Balou, Pierre Tchernia et William Lémergie. Et là donc, ils ont pris Jean-Louis Jaubert, le compagnon de la chanson, pour quelqu'un d'autre. Qui donc ? Ah, d'accord. Guy Lux, non. Est-ce qu'ils l'ont pris pour un journaliste présentateur de JT ? Ah non, pas du tout. Un animateur de variété. Alors. Franchement, je me demande comment ils ont mis ce nom-là. C'est parce que vraiment, ils n'ont pas reconnu le compagnon de la chanson. Albert Reisner. Non. Il est à côté de Balou ? Non. Tigrou. Alors, si vous voulez, je vous passe la photo. Oui, hein. Ah oui. Ah, bon, Léon Zitrone ? Non, Léon Zitrone, on l'aurait reconnu quand même. Oui, d'accord. Il est encore à la télé maintenant ? Il n'est plus à la télé, mais il a longtemps été à la télé. Il a présenté des émissions de divertissement ? Présenté. Non, il a participé à des émissions. Il était chroniqueur dans une émission ? Chroniqueur, plutôt, oui. Il était plutôt rigolo ? Amusant. En tout cas, il participait à des émissions amusantes. Il était dans Le Petit Rapporteur ? Il était dans Le Petit Rapporteur. PM ? Non. Pierre Bonte. Pierre Bonte, oui. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Regardez la photo. Il ne ressemble pas du tout. C'est bizarre quand même d'avoir pris le chanteur des Compagnons de la Chanson pour Pierre Bonte, puis surtout de ne pas vérifier quand même. Il y a une petite ressemblance. Il y a une petite ressemblance. Oui, alors Pierre Bonte en fin de soirée quand même. Et hein, Jean-François Derecq. Hein, oui, hein. C'est ça. Ah, c'est quand même bizarre. Mais c'est mignon de voir tous ces animateurs. Bah, oui. Pivot, Mazur, ils étaient jeunes encore en 87, vous vous rendez compte. Ah, Tchernia. Tchernia. Ah oui, Alexandre Balou aussi. Il était beau gosse. Hein. Alexandre Balou qui a travaillé ici à RTL. C'est peut-être lui qui prend la photo. Mais non, parce que Pierre Bonte, il est très très grand. C'est pour ça que c'est facile de deviner que c'est pas lui. Bah oui. Et là, ce monsieur. C'est surtout que c'est pas lui. Oui. Ça lui ressemble pas. Ça se voit quand même. Mais non, mais c'est que Jean-Louis Jaubert, sur la photo, le compagnon de la chanson, il est plus petit que tous les autres. Alors que Pierre Bonte, c'est un monsieur très très grand, n'importe qui. Quoi qu'il s'est passé avec l'âge maintenant. Oui, mais pas à ce point-là. À l'époque, c'était il y a 20 ans. Et puis c'était en 87. Oui, ça. Alors c'était Jean-Louis Jaubert qui s'était tassé. On le dit à Paris Match, ce n'est pas Pierre Bonte. Voilà. C'est scandaleux, voilà. Monsieur. Qui a trouvé ça ? Mais c'est moi, j'ai vu. C'est lui. C'est lui. T'as pas compris. J'ai vu cette. Mais vous préparez vachement. Bah oui. Donc vous êtes le seul, c'est un scoop. Vous êtes le seul à l'avoir découvert, ça. Je suis peut-être le premier à en parler aujourd'hui. Mais tu as reconnu tout de suite le compagnon de la chanson. Oui, je me suis dit, lui, c'est un ancien compagnon. En tout cas, j'étais sûr que c'était pas Pierre Bonte. Mais Laurent, c'est incroyable. On est peut-être à la veille d'un nouveau Watergate. Une citation pour Madame Brigitte Herichère, qui habite Bosquet de Lynn, c'est en Seine-Maritime, qui a dit « Si on jugeait les choses sur les apparences, personne n'aurait jamais voulu manger un oursin. » Marceline Desbordes-Valmore. C'est Marceline Desbordes-du-Slip. Non. Est-ce que c'est un humoriste ? Humoriste, le mot serait un peu fort, mais c'est quelqu'un qui avait de l'humour, oui. Tête la guiterie ? Non. Maïté. Maïté, non. Un écrivain ? Un écrivain, écrivain au sens large, oui. Journaliste ? Journaliste, non. Homme ou femme ? Homme. Français. Français, oui. Il écrivait quoi ? Des pensées, des aphorismes ? Ah non, c'est un écrivain, mais pas seulement, c'est pour ça que j'ai dit ça. André Malraux ? Non, pas Malraux. Il était politique également ? Politique, non. Marcel Pagnol ? Marcel Pagnol, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. On peut dire qu'il était écrivain. Il était écrivain, mais ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il était dramaturge. Tous les écrivains ne sont pas dramaturges. Et même cinéaste, réalisateur. Absolument. Certains grands dramaturges sont hommes de radio également. Et de télévision. Non, mais ceci dit, c'est vrai que c'est pas idiot cette pensée là sur l'oursin. Parce qu'il y a des choses comme ça, on peut se dire, pour la première fois, qu'a pensé le mec la première fois qu'il a tâté les pieds d'une vache pour faire sortir du lait. C'est quand même bizarre. Ouais, si tu te plantes pas sur ce coup-là, t'es vraiment très fort. Vas-y, continue. Oh l'enfoiré. Mais pourquoi, Pierre ? Ah si, parce que là oui. On va avoir un chapelet de banalité. Ah oui ? Eh oui. Bah. L'oursin, ça pique, le truc des vaches, ça dégoûte. Je viens pas pour ça. Allez, une autre citation pour Nicole Rivière, qui habite la Drôme. Ben oui. C'est normal, vous c'est me logique. Qui a dit le seul moment où une femme écoute attentivement ce que dit son mari, c'est quand il parle en dormant. Ah, Pierre Doris. Pierre Doris, non. C'est un homme ou une femme ? C'est un homme qui a dit ça. Un humoriste, pour un humoriste, coup. Oui. Raymond Devos ? Raymond Devos, non. Il est mort ? Il est mort, oui. Jean-Yann. Jean-Yann, bonne réponse de Philippe Gueluc.
Tranquille. Votre femme vous écoute parler quand vous dormez? Oui, mais alors, figurez-vous qu'il m'arrive parfois de trouver des gags en dormant. Ah, j'étais sûr. Et de rire moi-même. Alors, oui, ça m'arrive aussi. D'habitude, je ne ris pas. Je rigole la nuit, oui. Mais ça m'est arrivé de rire. Oui, en, je rêve un truc, je ne le dis pas, mais je me mets à rire. Oui. Et puis, elle me secoue, elle me dit, mais pourquoi tu ris? Alors, je lui raconte, une fois sur deux, c'est rien du tout, c'est abstrait parce que c'est un rêve. Et parfois, c'est drôle. Donc, vous gagnez de l'argent même en dormant, ouais, en quelque sorte. Ils ont un carnet à côté. Oui, et parfois, ils ont un carnet et chaque fois qu'elle lui répète le rêve, il y a un petit verre, il lui met une pièce. Non. Mais moi je pleure la nuit. Ah oui ? On me réveille, pourquoi tu pleures ? J'ai fait un cauchemar. Qu'est-ce que c'était ? Eh ben, j'arrivais au bistrot et on me disait c'est fermé. Ça doit être dur, ouais. Et vous vous parlez en dormant. Je sais que vous ne dormez pas beaucoup, Pierre. Hein, je ne dirais pas. Ouais. Je sais que je parle sans arrêt, sans arrêt. Ah oui, ah bah oui, on a remarqué. Oui. Ah oui. Là, pour l'instant, il dort, si vous voulez. Non. Il dort depuis le début de l'émission, je crois. Ah bah dis donc, ça va. Oh. Est-ce que j'ai bossé aujourd'hui? Non, mais c'est fou quand même quand on parle en dormant, parce qu'on dit n'importe quoi et on dit des... Moi, je rêve des trucs absolument hallucinants. Par exemple, tu dors jamais, Pierre? Je dors pas. Tu dors quasiment jamais, hein? Pratiquement pas, non. Je dors au travail, au volant, mais... mais pas au lit. Moi, j'ai rêvé récemment, mais je vous jure que c'est vrai, que je dirigeais les opérations du débarquement en Normandie. C'est pas vrai. Oui. Ah, et bah, que ça j'avais s'est bien dit... passé. Non, je te jure, il y avait tout l'état-major. Vous rêviez, vous rêviez d'être Hervé Morin. et j'avais dit, votre truc là, les violons, des sangles longs, etc., c'est une connerie, ça va pas marcher. Je propose un autre mot de code, c'est... C'est l'heure, les gars, on y va. Toutes les armées alliées se sont lancées à l'assaut de la Normandie, avec le résultat que vous connaissez. Et vous, Isabelle, par exemple, est-ce que la nuit, vous parlez en dormant? Bah, faudrait qu'il y ait quelqu'un qui me raconte pour ça. Je sais pas, oui, je dis, attends, je vais te commander un taxi. Elle le remarque le matin, quand son lit est trempé, c'est qu'elle a parlé la nuit en dormant. Quelle horreur! RTL. Devinez qui est l'invité mystère. Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Mes camarades vont vous poser des tas de questions. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends. Oh là là ! La voix est déformée, évidemment. On reprend la tradition. Et attention, n'en dites pas trop, parce que mes camarades sont très perspicaces. Oh bah oui, t'as raison. Vous ne l'ignorez pas. Est-ce que vous parlez en dormant, invité ? Non. Vous n'êtes pas très bavard dans l'absolu ? Non. Est-ce que vous êtes un homme avec des cheveux encore ? Encore. Oui. Brun, blond. Gris. Gris. C'est vrai que vous êtes bien chevelu même. Un peu. Ah oui, donc franchement. Mais trop chevelu ? Non, mais... moi, je le sais trop. Vous avez des cheveux. Bah, surtout sur la langue, en fait. Oui. Vous avez le cheveu fourchu ? Ça le fait rire, en tout cas. Après la cuisine, la coiffure, ça va être non, bien. Non, écoutez, on est sur le cheveu. Non. Raide ? Oui. Les cheveux. Il a les cheveux raides. Philippe Gueluc propose Pierre Arditi. Êtes-vous Pierre Arditi ? Non. Voici un premier indice musical. Mamma mia, here I go. Oh, c'est facile hein, ce premier indice, qu'est-ce que vous en pensez, invité ? Bon, c'est Abba, voilà. Ah. J'en pense rien. Il n'en pense rien, mais vous comprenez cet indice. Oui. Vous avez déjà dansé sur du Abba ? Non. Mais c'est pas ça l'indice, en tout cas. C'est que votre maman est célèbre. Non. Votre nom est un nom d'Abba ? Non. Jean-Robert Rognon. C'est Gilbert Rognon. Ouais. Vous êtes charcutier. Maurice Poitevaux, merci. Non. Il est capable, on remarque, hein, de mettre l'indice. Oui, mais c'est pour ça que je me méfie avec lui. Non, c'est beaucoup plus simple que ça. Réécoutez la chanson encore. Réécoutez. Mamma mia, c'est la comédie musicale. Mamma mia. Franchement, c'est dans le titre, hein, l'indice, n'est-ce pas, invité ? Oui. Eh oui. Ah, vous êtes d'origine italienne ? Non. Vous tenez un restaurant italien ? Non. Est-ce que vous avez pratiqué votre métier sur une scène ? Oui. Une scène de théâtre ? Mais pourquoi vous continuez ? Est-ce que vous continuez ? Est-ce que vous pratiquez ? Oui. Sur une scène de théâtre ? Oui, aussi. Et de concert, vous chantez également ? Oui.
Il chante. Ça, on a fait un... dans une comédie musicale, Mamma Mia. Non, 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 Isabelle, je voudrais vous faire plaisir, mais non. Il ne chante pas dans des comédies musicales. Mamma, la mamma, c'est Charles Aznavour. Êtes-vous Charles Aznavour? Non. Non. Non, il entend les questions. Titoff propose Akhenaton. Est-ce que vous êtes Akhenaton? Non. Non plus. Non, pour Mia. Mamma Mia. Ah, ah, je danse le Mia. Ouais, mais après, les cheveux gris, non, effectivement, oh, ça, ça colle pas. Akhenaton? Oui, le rappeur. Ayam. Ah, pas le Ayam. Pharaon, pas le Pharaon, ah, Isabelle. Non, non, les ouais. La semaine dernière, on a reçu tout en c'est camon. Deux personnes différentes, hein. Ouais. Attends, moi, je te balance Nefertiti tout de suite. Hein. Est-ce que vous avez déjà passé mais une journée... Si tu, passe, si tu veux aller faire pipi, vas-y, on passe un disque. Nefertiti est gros minet avec vous, alors. Est-ce que vous avez déjà passé toute une... Je crois que je gros minet. Est-ce que vous avez déjà passé une journée entière sur le canapé rouge de Michel Drucker? Oui. Et sur le mien? Malheureusement pas. Oh. C'est vrai, malheureusement. Oh mon Dieu, quel homme charmant. Jean-Jacques Perroni propose Eddie Mitchell. Êtes-vous Eddie Mitchell? Non. Il n'a pas de cheveux raides. Mais vous avez le cheveu raide. Mais un peu gras. Ce n'est pas, ce n'est pas Julien Doré. Ah, alors, panique. Est-ce que vous avez signé des tubes dans votre carrière, des numéros 1 que tout le monde connaît? Oui. Oui. Voici d'ailleurs un deuxième indice qui devrait vous aider. Mais attention, si vous décelez l'indice, n'aidez pas vos camarades, ne dites rien, parce que ça, franchement, c'est facile. Voilà comment, au milieu d'un beau rêve, un souvenir peut durer bien des jours. Comme est caché dans une heure douce et brève toute l'éternité de l'amour. Parmi bien des jours très... Ah, si vous connaissiez le titre de cette chanson, ça vous aiderait. Vous comprenez, vous, invité mystère, évidemment. Oui. Eh oui. Pierre Bénichoux devrait évidemment comprendre, parce que lui, il a reconnu Tino Rossi et il devrait connaître cette chanson. Ah. Philippe Gueluc propose Patrick Fiori. Êtes-vous Patrick Fiori? Non. Non. C'est la Corse, vous comprenez. Bon. Voici un autre indice. Oh non, il répond trop. La gente mi cantare con la chitarra in mano. Lasciatemi cantare una canzone piano piano. Isabelle. Lasciatemi cantare. La chatte est mie quand t'arrives. Ah, ça, la chatte est clean quand t'arrives. Qu'est-ce que c'est que ça? Attendez, beau, ça. Attendez. Oh non, c'est dégueulasse. Attendez. Non, dingue. Attendez, je veux réentendre cette version. J'ai toujours entendu ça, moi. Quoi? La chatte est clean quand t'arrives. J'ai entendu ça, moi. Ouais, elle est magnifique. La chatte est clean quand t'arrives. Et après, on m'a dit que c'était pas ça. Moi, je chantais ça. Quoi? Que c'était pas ça, quoi? Ma chatte est clean quand t'arrives. Non, c'est pas ça. Ah bah. J'ai honte, invité mystère. Ah, bah non, il vaut mieux. C'est vrai, il paraît que c'est vrai. Vous êtes un chanteur italien? Non. Jean-Jacques Perroni propose Christophe. Êtes-vous Christophe? Non. Non, il n'a pas du tout les cheveux blancs. Et en plus, il a le cheveu assez gras à la racine. Notre invité nous a dit qu'il n'avait pas du tout le cheveu gras. Soyeux. Est-ce que vous utilisez... Et qu'il n'était pas fourchu. Vous utilisez un volumateur ou pas? Est-ce que vous avez fait un lissage brésilien? Est-ce que vous utilisez un shampoing et un après-shampoing? Oui. Isabelle Mergault propose... Qui ça? Enrico Macias? Ouais. Non. Non. Mais est-ce que vous êtes certain d'être vraiment connu? Parce que...